Bien, mes chers collègues, il est 9h30. En ce jeudi 8 avril 2021, pour une réunion du conseil ordinaire du département de la Seine-Maritime. Je vous souhaite à tous et à toutes la bienvenue dans une séance particulière, puisque pour la première fois de son histoire, la séance plénière du département de la Seine-Maritime va se tenir en distanciel. Donc, je vous demanderai bien évidemment l'indulgence maximum afin que cette séance puisse se tenir dans les meilleures conditions possibles. Alors, je demanderai donc à Monsieur Rousselin, vice-président du département, de bien vouloir occuper le fauteuil de vice-président. Il l'occupera donc virtuellement. Et je propose donc à l'Assemblée départementale de bien vouloir désigner Madame Laurent Pasquier pour assumer le rôle de secrétaire. Madame Laurent Pasquier étant évidemment également en distanciel. Alors, nous allons d'abord procéder à l'appel nominal et je vais y procéder moi-même. Alors, pour que les choses se déroulent dans de bonnes conditions, je vais vous expliquer la procédure. Donc, je vais appeler les conseillers départementaux les uns après les autres et je vous demanderai, à l'appel de votre nom, de bien vouloir vous manifester non pas à l'oral, mais de le faire au moyen de la petite main qui est présente en bas de votre écran afin que nous puissions vous identifier et une fois identifié, je préciserai votre présence. Alors, nous allons commencer. Donc, Madame Allais a donné pouvoir à Monsieur Merville. Monsieur Barret. Alors, si M. Barré peut se manifester au moyen de la petite main. Merci, M. Barré. M. Barré est présent. M. Basile. Alors, M. Basile est présent. Merci. M. Baucher. M. Baucher est présent. Merci. Bertrand Bélanger lui-même présent. M. Bertrand a donné pouvoir à Mme Cottereau. Madame Blondel, est-ce que Madame Blondel nous entend? Est-ce qu'elle peut se manifester en appuyant sur la petite main? Voilà, merci beaucoup Madame Blondel. Madame Bott. Madame Bott est présente, merci. Monsieur Bouillon. Monsieur Bouillon est présent, merci. Madame Brouille. Madame Brouille est présente, merci. Monsieur Bruno. Voilà, est-ce que Monsieur Bruno peut appuyer sur la petite main? Alors, Monsieur Bruno est-il présent? Alors, bon, si Monsieur Bruno peut se manifester dès qu'il le peut. Monsieur Bure a donné pouvoir à Madame Caron. Madame Canu a donné pouvoir à Monsieur Bouillon. Monsieur Carrel. Monsieur Carrel est présent. Madame Caron. Madame Caron est présente. Monsieur Chevancy a donné pouvoir à Madame Sinopatry. Madame De Saintré. Est-ce que Madame De Saintré nous entend? Merci beaucoup, Madame De Saintré est présente. Monsieur Coriton. Monsieur Coriton est présent. Madame Cottereau. Madame Cottereau est présente. Madame Coupé. Voilà, Madame Coupé est présente, merci. Monsieur Delesque. Monsieur Coutet, pardon, excusez-moi. J'ai oublié Monsieur Coutet. Monsieur Coutet, voilà, Guillaume Coutet est présent, merci. Monsieur Delesque est présent également. Monsieur Demazur.
Monsieur de Masure est présent. Madame de Pitre. Madame de Pitre est présente. Madame de Saint-Nicolas a donné pouvoir à Madame Thibaud-Doréneau. Monsieur Diallo. Est-ce que Monsieur Diallo... Voilà, parfait. Merci beaucoup, Monsieur Diallo est présent. Madame Diallo. Madame Diallo est présente. Monsieur Dubost a donné pouvoir à Madame Diallo. Madame Durande. Madame Durande est présente. Madame Dutarte. Madame Dutarte est présente. Monsieur Duval. Monsieur Duval est présent. Madame Flavigny. Madame Flavigny est présente. Madame Follet. Madame Follet est présente. Monsieur Gauthier. Monsieur Gauthier est présent. Madame Goujon. Madame Goujon est présente. Monsieur Auguel. Monsieur Auguel est présent. Madame Hervé. Madame Hervé, s'il vous plaît. Madame Hervé est présente. Monsieur Jaouen. Voilà, si Monsieur Jaouen peut appuyer sur la petite main dès que possible. Alors, on poursuit. Monsieur Lamiret. Est-ce que Monsieur Lamiret nous entend ? Parfait, merci. Monsieur Lamiret est présent. Madame Largillet. Madame Largillet est présente. Madame Lecordier. Madame Lecordier est présente. Madame Lefebvre. Madame Lefebvre est présente. Monsieur Lejeune. Ah, si Monsieur Lejeune peut appuyer sur la petite main. Alors, Monsieur Jaouen est présent. Hein. Monsieur Lejeune, s'il peut appuyer sur la petite main. Bon, dès que possible, Monsieur Lejeune appuie sur la petite main. On poursuit. Monsieur Le Maire a donné pouvoir à Madame Lefebvre. Madame Lesage. Madame Lesage est présente. Madame Leverne a donné pouvoir à Monsieur Coriton. Madame Laurent Pasquier. Madame Laurent Pasquier est présente. Madame Luco Avril a donné pouvoir à Monsieur Rousselin. Madame Luco Avril, a priori, est présente. Voilà. Madame Luco Avril est présente. Madame Manzanares. Madame Manzanares est présente. Monsieur Marche a donné pouvoir à Madame Mézrard. Monsieur Martin. Monsieur Martin est présent. Madame Massé a donné pouvoir à Monsieur Tesser. Monsieur Merville. Monsieur Merville est présent. Monsieur Métaux. Monsieur Métaux est présent. Madame Mézrard. Madame Mézrard est présente. Madame Moutier-Lecerf. Madame Moutier-Lecerf est présente. Madame Sicaguérou. Madame Sicaguérou est présente. Monsieur Philippe. Monsieur Philippe est présent. Monsieur Ragache. Monsieur Ragache est présent. Monsieur Régnier a donné pouvoir à Madame Dutarte. Monsieur Rouly. Monsieur Rouly est présent. Monsieur Rousselin. Monsieur Rousselin est présent. Madame Sinopatrie.
Madame Sinopatry est présente. Monsieur Tasseri a donné pouvoir à Madame Coupé. Monsieur Tesser. Monsieur Tesser est présent. Madame Tessier. Madame Tessier est présente. Madame Thibaudot-Reynaud. Madame Thibaudot-Reynaud est présente. Monsieur Tracy-Payog m'a donné pouvoir. Madame Van de Candelaire. Voilà, si Madame Van de Candelaire peut. Voilà, c'est parfait, merci. Est présente. Et enfin, Madame Vieublé. Et Madame Vieublé est présente. Voilà. Voilà, je fais juste encore une dernière demande, si Monsieur Bruno peut se manifester pour nous confirmer qu'il est bien présent. Oui, voilà, c'est parfait. Monsieur Bruno vient d'appuyer sur la petite main. Et Monsieur Lejeune également. Donc voilà, nous avons terminé cette phase d'appel. Désolé évidemment d'avoir été un peu long, mais il convient que nous procédions ainsi. Alors, nous constatons, bien évidemment, vous avez pu le voir par vous-même que le quorum est atteint, que nous avons la présence du tiers des membres en exercice, au moins 24 membres. Alors, mes chers collègues, nous avons un premier rapport qui est à l'affichage, qui est le rapport 3.1, qui porte sur les modalités d'organisation de la réunion du Conseil départemental en visioconférence. Vous avez pris connaissance de ce rapport, et avant d'entamer à proprement parler notre réunion plénière, nous devons évidemment valider ce rapport afin que nous puissions délibérer valablement. Donc, ça va être pour nous aussi l'occasion de tester notre système Quizbox, puisque je vais vous appeler à vous exprimer donc sur ce rapport 3.1 sur les modalités d'organisation. Donc, je vais demander donc aux représentants de la société Quizbox de bien vouloir ouvrir les opérations de vote sur ce rapport 3.1. Voilà, donc j'en profite en même temps pour vous donner les petites indications qui vont bien. Pour celles et ceux qui sont membres de la commission permanente, vous connaissez le système. Pour les autres, vous avez donc sur votre téléphone portable, à partir du moment où vous êtes connecté avec les identifiants qui vous ont été transmis à la fois par mail et par SMS, vous avez donc sous les yeux un petit écran qui vous donne la possibilité, qui vous donne quatre possibilités. La première qui consiste à voter pour, la deuxième qui consiste à voter contre, la troisième qui est une abstention et la quatrième qui correspond au « ne prend pas part au vote ». Une fois que vous avez voté, que vous avez appuyé sur le bouton qui correspond à votre choix, il convient que vous puissiez le valider. Et vous le validez avec la petite touche V qui se trouve vers le bas de l'écran. Donc nous allons, et pour celles et ceux qui disposent d'un pouvoir, vous allez devoir le faire deux fois en fait. Et le nom de la personne pour qui vous votez est évidemment indiqué avec la notion de procuration. Donc vous pouvez d'ores et déjà donc voter. Alors, nous avons 64 votants, nous avons 58 votes, donc il reste encore.
Très bien. Donc, il nous reste encore trois votes à exprimer. Monsieur Hoguel, Monsieur Philippe et Madame Tessier, s'il vous plaît. N'oubliez pas de valider. Voilà, donc je répète à l'attention de Monsieur Hoguel, Monsieur Philippe, Madame Tessier, merci de bien vouloir voter et de confirmer votre vote, s'il vous plaît. Voilà. Il reste Monsieur Hoguel et Monsieur Philippe. Voilà, on prend un petit peu de temps parce que c'est le premier vote. Hein, donc, pour que chacun comprenne bien comment ça fonctionne. Voilà, donc je répète, Monsieur Hoguel et Monsieur Philippe, nous attendons vos votes. Merci de bien vouloir les valider. Voilà, bah, c'est bon, non ? J'ai plus l'indication là sur l'écran. Merci de me la remettre. Alors, il reste encore des votes. Il en reste plus que je ne pensais. Il reste Madame Allais, donc qui a donné pouvoir à Monsieur Merville. Voilà, ça c'est fait. Donc il reste encore Monsieur Hoguel et Monsieur Philippe, si on peut les contacter pour leur demander de bien vouloir valider leur vote. Après, je pense que et j'espère que ça ira plus vite. Voilà, il reste encore deux votes. Bon, si Monsieur Hoguel ou Monsieur Philippe ont des difficultés, surtout qu'ils n'hésitent pas, il y a une hotline ainsi qu'une adresse mail. Voilà, si vous avez des difficultés, vous manifestez afin que nous puissions rentrer en contact avec vous. Voilà, donc on demande aux attachés de groupe de rentrer en contact avec leurs élus pour savoir s'il y a une difficulté, un problème technique. Voilà, Monsieur Hoguel a voté. Il reste Monsieur Philippe. Donc, je demanderai aux attachés de groupe de bien vouloir rentrer en contact avec lui pour s'assurer qu'il n'y a pas une difficulté technique. Voilà, donc on me dit que l'attaché de groupe du Parti socialiste rentre en contact avec M. Philippe pour s'assurer qu'il ne rencontre pas de difficultés techniques. Si Monsieur Philippe, vous nous entendez. Ah, voilà, ça y est, c'est bon, parfait, merci à vous. Donc, nous avons 68 votants, donc je déclare le scrutin clos.
Donc voilà, vous avez le résultat qui vient de s'afficher. Donc nous avons 68 voix pour. Alors, nous avons maintenant, comme nous le faisons habituellement, donc à approuver les procès-verbaux des différentes réunions du Conseil départemental qui se sont tenues en particulier le 19 novembre 10 et 11 décembre 2020, ainsi que notre réunion extraordinaire du 14 janvier. Donc, je vais vous interroger. Donc, nous allons procéder de la sorte, de la même façon. Ça va nous faire encore un petit exercice. Donc, je vais vous demander de bien vouloir vous exprimer sur l'approbation de nos procès-verbaux. Donc, je demande à ce que la société Quizbox mette en place les opérations de vote. Ah, ok. Donc, il reste Monsieur Merville et Monsieur Lejeune. Merci de bien vouloir valider vos votes. Voilà, Monsieur Merville, si Monsieur Merville peut voter. Voilà, si M. Merville nous entend, merci qu'il valide pour lui-même ainsi que pour Mme Allais. Voilà, si on peut rentrer en contact avec M. Merville.
Alors, est-ce qu'on est en contact avec Monsieur Merville? Voilà, Monsieur Merville est attendu dans l'expression de son vote. Bon, on va rentrer en contact avec Monsieur Merville, mais pour autant, on va clore les opérations de vote, hein, pour gagner du temps. Voilà. Merci. Donc, 68 votes, suffrages exprimés. Merci. Bon, tout ça, c'est un peu long, mais ça nous permet de nous roder, hein, sur les opérations de vote. Je rappelle que nous avons 43 rapports et donc il conviendra que nous soyons les uns et les autres les plus réactifs possibles. Nonobstant, évidemment, les problèmes techniques que nous pourrions avoir dans nos connexions respectives, ce qui est tout à fait légitime par ailleurs. Bien, donc ces procès-verbaux sont adoptés. Je vous en remercie. Je remercie également les services du secrétariat général pour les avoir produits rapidement. Bien, mes chers collègues, dans la nuit de mardi à mercredi dernier, il y a un jour, Madame Colette Privat, conseillère générale de la Seine-Maritime, entre 1967 et 2004, nous a quittés. Née le 14 novembre 1925 à Paris, Colette Moat débute son engagement public au lendemain de la Seconde Guerre mondiale en adhérant au Parti communiste français, où elle milite au sein de la section du 6e arrondissement. Agrégée de lettres classiques, elle rencontre Robert Privat, qu'elle épouse en 1952. Le couple s'installe alors à Rouen. Dans la ville où sans clocher, l'enseignante entame son parcours électif en devenant en 1953 conseillère municipale de Rouen. Un peu moins de 15 ans plus tard, en 1967, elle fait son entrée à l'Assemblée nationale pour un mandat qui sera interrompu par la dissolution de mai 1968. Le Palais Bourbon, elle l'arpentera de nouveau entre 1978 et 1981, devenant même vice-présidente de l'Assemblée nationale. 1967, c'est aussi l'année qui la verra être élue pour la première fois au Conseil général, représentant le canton de Maromme. Première femme de l'histoire à siéger sur nos bancs, elle sera réélue à 5 reprises, quittant le département en 2004, après 37 années passées à défendre ses convictions. Ceux qui l'ont connue à cette époque se souviennent sans doute de ses échanges à fleurer et moucheter avec Jean Le Canuet, des débats de haut vol, des avis souvent divergents mais toujours empreints d'une estime et d'un respect mutuel. Colette Privat, mes chers collègues, c'est évidemment aussi celle qui fut pendant 20 ans la mère emblématique de Maromme, celle qui, entre 1977 et 1998, a œuvré au développement de la commune de la Vallée du Cailly. Partenaire de lutte de Roland Leroy, communiste convaincu, Colette Privat laisse à chacun le souvenir d'une femme éminemment cultivée, engagée et pleine de convictions. Militante inlassable des droits des femmes, elle est sa vie durant demeurée une femme simple, accessible, proche des gens qu'elle aimait et qu'elle avait à cœur de servir. À sa famille, à ses proches, à ses camarades,
j'adresse au nom du Conseil départemental de la Seine-Maritime mes sincères condoléances et je vous demande, mes chers collègues, de respecter un moment de silence. Merci à vous. Nous allons maintenant pouvoir examiner les différents rapports qui sont à l'ordre du jour de cette séance plénière du département. Pour des raisons qui tiennent à la disponibilité de notre collègue Alain Basile, Nous examinerons en premier les rapports qui relèvent de la commission infrastructure numérique, route, transport. Et ensuite, après, nous passerons donc à l'examen des rapports de la première commission, l'action sociale, puis ensuite de la commission agriculture. Enfin, nous poursuivrons avec la commission éducation, jeunesse, sport. Et enfin, comme nous le faisons habituellement, nous passerons les rapports de la troisième commission, c'est-à-dire la commission finance, en dernier. Alors, je vais tout de suite demander à notre collègue Alain Basile de bien vouloir intervenir sur le rapport 5.1, et j'ai cru comprendre que le rapport 5.1 et le rapport 5.2 seraient présentés en commun, voilà, avec des votes bien évidemment séparés à l'issue de l'examen des deux rapports. Je donne tout de suite la parole à Monsieur Basile. Voilà, si Monsieur Basile veut bien prendre la parole. Alors, Monsieur Basile, si vous nous entendez, voilà, c'est parfait. On vous voit et on vous entend. Donc, merci, vous avez la parole, Monsieur Basile. Merci, Monsieur le Président. Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, on a lié les deux rapports, le 5.1 sur la politique du département en faveur des mobilités, et notamment le schéma des mobilités, et on a joint la convention de partenariat GRDF sur l'étude de la remotorisation des bacs en bio-GNV. Donc, Monsieur le Président, chers collègues, en 1991, puis en 2011, notre collectivité a adopté un schéma directeur routier, outil de référence technique et politique permettant d'assurer la cohérence du réseau départemental, de l'exploiter et de l'entretenir. Tourné principalement vers nos 5790 km de routes départementales, ce schéma a été complété par d'autres. Je pense à celui consacré aux aires de covoiturage ou à notre schéma départemental des véloroutes et voies vertes. Aujourd'hui, la question des mobilités est une priorité pour nos concitoyens et elle dépasse largement pour notre collectivité la gestion du patrimoine routier départemental. Acteur des mobilités est renforcé en cela par la loi d'orientation des mobilités adoptée par le Parlement en 2019, le département de la Seine-Maritime souhaite désormais inscrire dans un même schéma l'ensemble des composantes liées aux déplacements que concernent l'entretien routier, les modes actifs ou les traversées de la Seine, le tout dans une approche durable du sujet en lien avec les orientations du plan climat 76 que nous avons voté en juin dernier. Ce schéma des mobilités que je vous propose d'adopter s'appuie sur deux grands axes. Premièrement, l'actualisation de notre politique routière en fonction des évolutions récentes, notamment législatives. Deuxièmement, nos engagements en faveur des déplacements doux et des enjeux environnementaux.
Je passerai rapidement sur les évolutions législatives. Elles sont détaillées dans le rapport et elles sont connues. Transfert des 740 km de voirie à la métropole de Rouen en 2016, transfert de la compétence des transports à la région en 2017 et la loi d'orientation des mobilités en 2019. Elles seront suivies par d'autres. Le projet de loi 4D, actuellement en préparation, envisage ainsi un report, un nouveau transfert des routes nationales au département. C'est pourquoi nous proposons d'anticiper et de réfléchir d'ores et déjà à un transfert du réseau local de quatrième catégorie vers les EPCI selon un calendrier et des modalités qui restent à définir et qui feront l'objet d'un débat spécifique devant notre Assemblée. Concernant les modes doux, ce schéma des mobilités vient concilier notre schéma routier avec le travail déjà engagé sur ce sujet. À noter que j'ai rencontré les 15 EPCI de Seine-Maritime pour partager avec eux les enjeux de mobilité sur notre territoire. Donc ce schéma consolide ainsi leur prise en compte dans tous les projets routiers avec l'intégration des bandes multifonctionnelles ou de voies vertes pour assurer la continuité des itinéraires. Un chiffre, 293 km de voies vertes sont directement gérées par notre collectivité sur les 497 km que compte la Seine-Maritime. Les BAC, eux, sont également pleinement intégrés à ce schéma. Je rappelle que ce service public indispensable permet le transport de 3 200 000 véhicules par an sur 8 passages d'eau le long de la Seine. Là aussi, nous avons à cœur d'améliorer l'impact environnemental et une réflexion est engagée pour s'orienter vers de nouvelles technologies permettant de réduire, voire de supprimer l'empreinte carbone. C'est l'objet du rapport 5.2 qui vise à conventionner avec GRDF dans le cadre d'une étude d'opportunité sur l'utilisation du bio-GNV comme carburant pour la propulsion des BAC de Seine. Dans le même esprit, le schéma départemental des mobilités est résolument tourné vers l'avenir et aborde des sujets cruciaux comme la révolution digitale qui nous permettra demain d'accélérer les déplacements et la gestion des infrastructures. Je souligne l'engagement de notre centre d'information et de gestion du trafic dans des projets locaux, à l'instar de l'initiative MobiSmart Port City, portée par la communauté urbaine du Havre. Sécurité routière, développement des usages alternatifs, réduction de l'empreinte carbone, préparation de l'avenir sont les maîtres mots de ce schéma départemental des mobilités que je vous propose d'adopter et qui sera notre feuille de route en la matière pour les années à venir. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Basile. Alors, mes chers collègues, vous avez la parole. Madame Blondel a demandé la parole. Madame Blondel, vous avez la parole. Voilà, si on peut donner la parole à Madame Blondel. Madame Blondel, vous appuyez sur votre micro. Voilà, on vous entend et on vous voit, Madame Blondel. Merci. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, mes chers collègues. J'interviens en particulier sur le rapport 5.2. Il nous est proposé de signer la convention de partenariat avec GRDF afin de mener une étude d'opportunité visant l'utilisation du bio-GNV comme carburant pour la propulsion des bacs de Seine. Le groupe politique pour les Seine-Marins ne peut s'acquiescer à cette proposition qui va justement dans le sens de nos dernières interventions. Le service minimum en matière de transition énergétique auquel vous nous avez habitués fera l'objet de progrès, ce qui est très très bien. En effet, mes collègues Christophe Bouillon et Ludovic Dolesque ont tous deux démontré qu'il existe une nécessité de reverdir notre flotte. La loi d'orientation des mobilités oblige à ce titre l'État et les collectivités à verdir leur flotte automobile. Lors de l'acquisition ou du renouvellement annuel de leur parc, les véhicules à faible émission devront représenter au moins 20% de ce renouvellement jusqu'au 30 juin 2021. Et au moins 30% à partir du 1er juillet 2021. Le département compte 305 véhicules dans sa flotte, c'est le chiffre 2019, dont seulement 7 sont des véhicules à faible émission, électriques ou hybrides.
soit malheureusement que 2% de la flotte départementale. Il y avait donc urgence à agir. Nous souhaitons plus d'implication de notre collectivité pour s'approprier l'agenda 2030 et ses 17 objectifs de développement durable, afin que notre département de Seine-Maritime peut et doit devenir un modèle en matière de transition écologique et sociale. Enfin, une question autre sur les bacs de Seine. Pour notre collectivité, se pose dans ce cadre la question aussi de la gratuité et la continuité du service pour tous les Seine-Marins. Une remotorisation est très bien pour notre département, mais elle ne doit pas remettre en cause la gratuité et la continuité de ce service. Serez-vous en mesure de nous garantir un tel service au public? Est-ce que tout cela continuera d'exister comme tel? Merci. Merci, Madame Blondel, pour votre soutien. Madame Depitre. Madame Depitre, vous avez la parole. Voilà, si vous pouvez appuyer sur votre micro. Bonjour, voilà, à c'est tous. Bon, vous avez la parole. Oui. Très bien. Monsieur Basile, dans ce rapport, vous rappelez les principaux enjeux de la loi LOM, orientation mobilité, dans le cadre de la transition écologique et solidaire. Je vous cite, en prônant une mobilité durable, plus sobre et plus propre et empreinte de justice sociale. Et les principaux enjeux se concentrant, entre autres, sur la réduction de l'empreinte environnementale. Nous avons voté en juin 2020 un plan climat en faveur de la transition énergétique et à agir pour la transition écologique avec les territoires et ses habitants. Je m'interroge, comment allez-vous, dans votre convention d'engagement volontaire, préserver la biodiversité et les milieux naturels lors de la mise en chantier du projet autoroutier de l'A133 à 134. Et vous avez aussi prévu un suivi environnemental des projets chaque année avec, je vous cite, une démarche fortement participative s'appuyant sur un comité de suivi qui peut être constitué d'utilisateurs, de riverains, d'associations, d'élus locaux ou des services techniques, des services de l'État aussi. Mais pour certains projets comme le contournement Est, on les connaît déjà, les atteintes sur les terres agricoles, sur la biodiversité, sur la perte du label bio dans les exploitations, sur les arbres, sur les nappes phréatiques, etc. Concrètement, je me demande à quoi va servir ce comité de suivi, à part pour être dans la légalité administrative. Merci, Madame Depitre. Monsieur Alban Bruno, vous avez la parole. Là, vous appuyez sur votre micro et vous pouvez intervenir. Voilà. Parfait. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur le Président. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je tiens tout d'abord à féliciter nos services et leurs agents pour ce rapport détaillé, mais aussi pour leur engagement et leur savoir-faire au service des mobilités et des usagers, notamment ceux de la route dans notre département. Alors, si c'est vrai, c'est si vrai que je ne voudrais pas, à travers cette délibération, que l'on vienne leur retirer une partie de leur travail. Conscient que notre collectivité doit garantir sur les routes de sa compétence un haut niveau d'entretien. Mais j'y reviendrai. À la lecture de ce document, nous pouvons mesurer les réels progrès réalisés dans plusieurs secteurs liés au développement durable. Alors que ce soit le covoiturage, avec une augmentation de plus de 300% du nombre de covoitureurs en 8 ans, la mise en place du fauchage tardif pour préserver la biodiversité ou encore le développement des véloroutes qui, en plus de développer la mobilité douce et active, est à la fois bonne pour la santé et l'environnement. Et bien sûr, un facteur d'attractivité non négligeable pour notre département. Alors, nous allons dans le bon sens sur ces aspects et nous nous en réjouissons. Le présent rapport évoque également la problématique du franchissement de la Seine via les bacs et les ponts. Les 8 bacs actuels, gérés par le département, permettent à 3,2 millions de véhicules de franchir la Seine chaque année, et ce, gratuitement. Cet accès libre aux bacs tient particulièrement à cœur des élus communistes qu'ils défendent depuis des années. Et nous sommes ravis que votre majorité
est accepté de maintenir ce service public libre d'accès à toutes et à tous. Mais quid des ponts ? Pourquoi certains usagers devraient payer le franchissement de la Seine et d'autres non ? Nous réitérons une nouvelle fois notre demande pour la mise en œuvre de la gratuité sur l'ensemble des ponts permettant de franchir la Seine. D'autant plus qu'un péage est fatalement une entrave à la libre circulation, mais aussi à l'attractivité d'un territoire. Alors, phénomène unique en France, quand même, il faut le noter, le franchissement des ponts de Tancarville et de Normandie sont payants. Alors, je sais que ça ne relève pas de la compétence de notre collectivité. Cependant, dans une période qui sera marquée par la fin de la concession accordée par l'État à la Chambre de commerce et d'industrie de Seine-Estuaire, même si ça a été prolongé, il sera judicieux que notre collectivité prenne position pour demander cette libération des péages, au nom justement de l'équité entre Seine-Marins et entre Normands. Alors de même, libérons le péage des Protos sur la 29, qui pénalise fortement les mobilités en entrée d'Aglo du Havre et qui occasionne des reports de trafic nuisants sur la RD 6015. Alors, le lancement d'une étude sur cette question et plus globalement sur les flux de circulation de l'est de l'agglomération havraise est dans les tuyaux, comme on dit, depuis 2016. Alors, je regrette qu'elle n'ait pas été encore engagée, même si j'ai bien conscience que la création de la communauté urbaine du Havre Seine Métropole a eu comme conséquence de la retarder. Alors, une délibération devrait prochainement être prise par le Conseil communautaire pour confirmer sa participation au financement de cette étude. Et puisque j'évoque les péages, ne pourrait-on pas engager également une réflexion sur le niveau de celui de l'A150 entre Yvetot et Barentin ? 5,60 € pour 23 km. C'est dissuasif. Et ce coût surenchérit la liaison autoroutière nord entre Le Havre et Rouen à 13,20 € pour un aller simple. L'autre absence que je souhaite relever dans ce schéma, c'est celui du ferroviaire. Le Parlement étudie actuellement la loi climat, même si le président de la République, après s'être évertué à affaiblir la SNCF, parle désormais de nécessité de redévelopper le ferroviaire. Mais ici, pas un mot. Nous l'avons noté, c'est la première fois que nous allons voter un schéma directeur des mobilités. Ce document se nommait auparavant schéma directeur des routes. Ce changement de nom a du sens. Nous devons dorénavant agir sur l'enjeu mobilité dans sa globalité et non plus seulement sur la problématique routière. Le ferroviaire, c'est comme les péages, mais c'est aussi comme les bacs et les ponts. Nous sommes concernés car cela va au-delà d'une simple répartition de compétences entre collectivités. Il ne peut y avoir d'ambition en matière de mobilité qui fasse l'impasse sur les trains et notamment sur les petites lignes. Les insuffisances que je viens de souligner sont importantes et motivaient notre intervention. Cependant, elles ne nous auraient pas empêchés de le voter avec la mention « peut mieux faire ». En revanche, un élément qui figure à ce schéma nous l'interdit. Il est indiqué dans le document que le département, en concertation avec les communes et les groupements concernés, souhaite transférer aux communes et aux EPCI, aux établissements publics de coopération intercommunale, le réseau local de quatrième catégorie qui représente aujourd'hui 20% du patrimoine routier départemental, soit environ 1000 km. Nous ne pouvons pas souscrire en l'état à ce transfert de compétences qui ne s'accompagne pas d'un transfert de crédit. Remettre à niveau la route avant transfert, ce n'est pas suffisant. Je dirais même, c'est la moindre des choses. Note d'ailleurs que lorsque les routes départementales ont été transférées à la métropole rouennaise, un transfert de charges et même de personnel a été réalisé. Je ne vois pas pourquoi d'autres structures intercommunales se verraient hériter de la gestion, donc de l'entretien de voiries départementales, à leurs frais. Au début du rapport, il est indiqué dans son objet que ce schéma permet au département de se doter d'un outil de référence technique et politique lui permettant d'assurer la continuité de son réseau, de l'exploiter et de l'entretenir. Le bon entretien du réseau est de notre responsabilité. Que pour de bonnes raisons, une interco souhaite prendre la gestion d'une route départementale, nous l'entendons. Et si c'est parce qu'elle en a marre qu'une route soit mal entretenue, c'est une mauvaise raison. Ou alors, accompagnons le transfert des crédits qui devraient être mobilisés pour assurer son bon entretien régulier.
Dans toutes nos intercos, j'imagine, nous procédons à des arbitrages en matière de voirie. Et les budgets ne suffisent pas pour répondre à tous les besoins. Demain, si nous en remettons une louche en reprenant des voiries départementales, sans un copec de plus, les arbitrages seront encore plus compliqués au sein des intercos. Enfin, du point de vue de notre collectivité, je suis dubitatif sur votre volonté de vouloir céder ainsi près de 20% de notre réseau routier. Si c'est parce que vous craignez de ne plus avoir suffisamment de ressources pour assurer cet entretien, il existe une solution simple. Écoutez l'EPCI concerné par le mauvais projet de contournement Est de Rouen en vous désengageant de celui-ci et vous disposerez de crédits nouveaux pour couvrir des centaines de kilomètres d'entretien régulier de nos routes pour un paquet d'années. Voilà ce que je souhaitais dire sur ce rapport 5.1. Merci pour votre attention. Merci, Monsieur Bruno. La parole est à Monsieur Métaux. Voilà, Monsieur Métaux, c'est voilà. Bon. Ouais, alors, monsieur, vous m'entendez ? Vous avez la parole. Oui, c'est bon, ça marche. Monsieur le Président, dans ces deux rapports, moi, je voulais tout d'abord souligner qu'il y avait eu un travail réel de fait sur la mandature, une nette amélioration à la fois sur les investissements en matière de voirie, en matière d'entretien, et qu'on s'aperçoit aujourd'hui que, si vous voulez, les choses commencent à se voir. Une continuation d'avancement aussi sur les travaux de la route principale et l'ancienne nationale 15 et la départementale 6015, où effectivement on a investi de manière importante dans un plan de continuation de la, on va dire, de la mandature précédente. Il faut qu'on soit objectif et regardant par rapport à ça. Et donc moi je félicite particulièrement nos collègues d'avoir mis un peu plus de fonds, et on va le voir encore dans le cadre de cette séance, à la fois dans le budget supplémentaire et à la fois dans d'autres délibérations. On n'hésite pas à intervenir dans ce cadre-là. J'ai quelques regrets quand même sur les mobilités douces. Je pense qu'on aurait pu, par exemple, favoriser, comme notre groupe l'avait proposé, une aide à l'achat des vélos électriques, ce qui aurait permis peut-être d'étendre et d'améliorer, surtout en zone mi-rurale, mi-urbaine, ce type de problématique. Donc, une augmentation de budget évidente depuis quelques années. Il y a des choses encore, bien sûr, à améliorer. Il reste à faire. Et la mandature prochaine pourra continuer d'y travailler. Voilà, très rapidement, en vous disant que, bien sûr, qu'on votera pour ces deux délibérations. Merci beaucoup, Monsieur Métaux. Je ne vois plus d'autres demandes de parole. Donc, je vais donner la parole à Monsieur Basile pour la conclusion, s'il vous plaît. Monsieur Basile, vous avez la parole. Oui, merci, Monsieur le Président. Quelques observations par rapport aux interventions que nous venons d'avoir. D'abord, me réjouir qu'il y ait un assentiment un peu général sur ces deux rapports. Peut-être rassurer Madame De Pitre concernant notre engagement et notre volonté. On a toujours l'habitude, nous, notre majorité départementale, d'assumer nos responsabilités et d'assumer nos engagements. Donc, nous le ferons, et les choses ont été effectivement extrêmement explicites dans le plan climat 76 que nous avons adopté en juin dernier. S'agissant maintenant peut-être lui rappeler à Madame De Pitre que les procédures de concertation président bien entendu à tous les projets routiers que nous avons en cours, et qu'il y a un suivi environnemental qui fait suite et qui perdure après les aménagements. Rassurer également Madame Blondel concernant la gratuité. Je crois que chacun sait, au cours de cette mandature, l'énergie que notre majorité a développée pour le maintien du passage d'eau de Quillebeuf, hein, où les choses n'étaient pas effectivement écrites au départ. Nous n'avions pas de convention extrêmement claire avec le département de l'Eure. C'est aujourd'hui chose faite, hein, qui nous permet aujourd'hui d'assurer que la gratuité sur nos bacs de Seine sera pérenne, et peut-être profiter pour
montrer notre volonté en la matière, puisque dans la mandature, nous aurons donc acquis le nouveau bac 24 et que nous avons deux bacs fluviaux, le 25 et le 26, qui sont en cours de construction, qui vont être livrés dans les mois qui viennent. Là aussi, pour vous montrer l'attachement que nous avons à ce service public de traversée de la Seine. Voilà ce que je pouvais dire pour répondre aux interventions de nos collègues. Merci beaucoup, Monsieur Basile, pour ces réponses. Merci aussi pour la présentation de ce rapport et du débat qui en a suivi. Écoutez, mes chers collègues, je vais vous appeler maintenant à vous exprimer donc sur les deux rapports, le 5.1 d'abord. Et puis nous passerons ensuite après sur le 5.2. Donc sur le 5.1 politique du département en faveur des mobilités, schéma directeur des mobilités, je demande à ce qu'on ouvre le scrutin. Voilà, il reste encore 4 votes à obtenir. Voilà, je demande donc à Madame Leverne, c'est Monsieur Coriton qui vote pour Madame Leverne. Donc Monsieur Coriton et Monsieur Merville. Voilà, il reste 3 votes à obtenir. Voilà, si Monsieur Merville peut voter. Bon, est-ce que Monsieur Merville nous entend? Est-ce que Monsieur Merville peut voter? Alors, si Monsieur Merville nous entend, ça y est, c'est fait. Ça y est, nous avons les 70 votes. Merci. Alors, le scrutin est clos. Donc, nous avons 5 abstentions et 65 votes pour. Je vous remercie. Donc, nous allons passer maintenant au vote sur le 5.2, la convention de partenariat GRDF. C'est l'étude sur la remotorisation des bacs en bio-GNV. Et donc, je demande à ce qu'on ouvre le scrutin, s'il vous plaît.
Voilà, si Monsieur Merville, vous avez, c'est bon, c'est parfait. Merci beaucoup. Donc 70 votants, 70 pour. Voilà. Donc ces deux rapports, 5.1 et 5.2, sont adoptés et je vous en remercie. Bien, nous passons maintenant à l'examen du rapport 5.3. Il s'agit du contournement est de Rouen. La participation du département de la Seine-Maritime, et je donne la parole à Monsieur Basile. Monsieur Basile, vous avez la parole. Oui, merci Monsieur le Président. Monsieur le Président, chers collègues, le 14 janvier dernier, après un long débat au sein de notre hémicycle, le département de la Seine-Maritime réaffirmait, avec le soutien d'une large majorité des votes, exprimer son souhait de participer financièrement au projet de contournement est de Rouen. Ainsi, nous vous confirmions notre engagement à hauteur de 22 millions selon le plan de financement co-construit avec l'État, la région et la métropole Rouen-Normandie. Or, le 8 février, la métropole Rouen-Normandie a décidé de revenir sur les engagements pris par Frédéric Sanchez, ancien président de cet établissement public, et les élus de l'ancienne mandature en votant le retrait de leur participation financière de 66 millions d'euros. Mes chers collègues, l'idée aujourd'hui n'est pas de refaire le débat au fond. Chacun a eu l'occasion d'exposer ses arguments longuement et à plusieurs reprises. Toutefois, je tiens à souligner que la décision de la métropole, prise alors qu'une majorité des maires se prononçait en faveur de ce projet, est préoccupante pour au moins trois raisons. La première, c'est que cette décision vient questionner la parole publique, puisqu'elle opère un revirement des engagements fermes qui avaient été pris à plusieurs reprises, défendus par les mêmes qui aujourd'hui pourfendent le projet. Et tout cela, pourquoi ? L'actualité récente vient probablement d'en donner la clé de lecture. La deuxième, et je ne m'éterniserai pas sur ces aspects, c'est évidemment parce que ce projet est indispensable pour le territoire, indispensable d'un point de vue économique, écologique, sanitaire et social. Le troisième, et c'est peut-être la plus grave, c'est parce qu'elle démontre le nombrilisme d'une partie des élus du chef-lieu de la Seine-Maritime, bien peu sensibles aux problèmes quotidiens rencontrés par nos concitoyens qui vivent à 25, 20, 30 kilomètres et plus de Rouen. Ce sont pourtant parmi eux, nos concitoyens du Nord, et parmi ceux-là les plus défavorisés, qui habitent en périphérie de la métropole, donc, notre président Bertrand Bélanger a eu l'occasion de le dire. Pour la première fois, Rouen a tourné le dos à son département. Fort de ces constats, la majorité départementale prend ses responsabilités à l'instar de la majorité régionale et propose à notre Assemblée d'augmenter sa participation de 18 millions d'euros, portant ainsi notre contribution à un total de 40 millions d'euros. Nous le faisons parce que le contournement Est est un projet d'intérêt départemental, régional et national. Il est primordial pour assurer le développement économique de la Seine-Maritime et de la Normandie. Se relier au grand courant d'échanges européens et nationaux est essentiel pour renforcer l'attractivité de la place rouennaise et favoriser le développement de son port. À l'heure où AROPA est porté sur les fonts baptismaux, il serait incongru de ne pas soutenir ce projet. Moi qui ai l'honneur de porter la politique portuaire de notre collectivité, je sais que le développement d'un port est dépendant de la présence d'infrastructures routières performantes irriguant son interland. Cette augmentation de notre participation, nous pouvons le faire parce que les efforts conduits par cette majorité pour assainir les comptes du département de la Seine-Maritime depuis 2015 nous le permettent. J'entends ici l'opposition que ces 18 millions d'euros seraient pris sur d'autres budgets. C'est une galéjade. Le vote du compte administratif et du budget supplémentaire au cours de cette séance viendront balayer ces arguments. 83% des habitants de notre territoire attendent que nous soyons à la hauteur des enjeux. C'est pourquoi, mes chers collègues, je vous propose d'adopter cette délibération et ainsi de permettre à l'État d'engager sans plus tarder la procédure de mise en concurrence qui permettra enfin la réalisation concrète de cet axe structurant et vital pour la Seine-Maritime. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Basile. Alors, je donne la parole à Monsieur Barré. Vous avez demandé la parole. Appuyez sur votre micro. Voilà, Monsieur Barré. Oui, merci. Vous avez la parole. Oui, merci, Monsieur le Président. Tout d'abord,
un petit mot, parce qu'on me signale qu'il y a des demandes de prise de parole et que les paroles sur les précédentes délibérations n'ont pas été redonnées. Donc, il faudrait, je ne sais pas qui c'est qui suit les levées de main, mais de permettre, quand des personnes veulent s'exprimer ou se réexprimer, de leur permettre de la prise de parole. Voilà. Bien, bah écoutez, pour continuer sur le contournement, vous vous doutez bien que notre groupe ne va pas partager le satisfait dont vous faites preuve. Donc, en cette période de doute et de difficultés sanitaires, cette délibération sur l'augmentation de la participation de notre collectivité au financement de ce projet d'un autre temps sera marquée à tout jamais, et je pèse mes mots, monsieur le président, du sceau de l'infamie. Votre engagement obstiné à vouloir défendre et justifier votre soi-disant contre-offensive financière après le retrait de la métropole est purement et simplement une décision infamante. Dans un ton professoral qui cherchait sans doute à surpasser nos arguments, vous avez voulu, lors de la séance du 14 janvier dernier, nous faire la leçon en insistant sur ce que vous appelez notre manque de considération pour le développement économique et pour l'avenir de ceux qui nous suivront. Permettez-moi d'être en désaccord profond avec vos propos et qui sont le reflet de votre intransigeance vis-à-vis de nos déclarations, notre engagement en responsabilité mené sans relâche et avec la même constance aux côtés des riverains de cet hypothétique ouvrage dans l'intérêt des populations et pour l'ensemble de nos concitoyens. Reprenez nos discours, réécoutez nos propositions, vous pouvez encore changer d'avis. Pour mémoire, depuis les prémices de ce mauvais tracé, nous agissons de manière commune au sein d'un collectif d'élus pour défendre les intérêts de plusieurs dizaines et dizaines de milliers de riverains de l'Eure et de la Seine-Maritime. Trois collectivités ont renoncé à son financement, qui ne disent qu'une seule chose. Cette autoroute n'est que nuisance, bruit et pollution. Elle n'atteindra pas les objectifs annoncés parce que payant. Elle détruira par contre notre environnement, notre qualité de vie à tout jamais. Voilà ce qu'une partie non négligeable de nos concitoyens pense, ce que nous pouvons assimiler à l'expression certaine de leur souffrance. Pourquoi refusez-vous d'entendre cette détresse? Pourquoi voulez-vous sans cesse opposer les populations les unes aux autres? De manière démagogique, votre position dogmatique vous amène, lors de la séance du 14 janvier, à citer le pavillon pédiatrique de l'hôpital de Rouen, frôlé par la rocade nord-est en direction du tunnel de la Grand-Mare. Bien évidemment, cette réalité est révoltante. À qui la faute? À qui la faute? Mais qu'en sera-t-il demain pour les riverains du quartier Désiré-Granet à Saint-Étienne-du-Rouvray, pour les habitants du Bel Air à Oissel, pour les enfants de la halte garderie, des écoles, des centres de loisirs situés juste à côté, pour les habitants des 1er et 2e avenues survolés par un viaduc qui enjambera leur maison, pour les habitants des Autieux, d'Imar et des autres communes du plateau Est expropriées ou au mieux frôlées par une autoroute à péage? Vous allez me rétorquer, monsieur le président, ce sont les conséquences inévitables des projets d'aménagement. C'est faux, vous vous trompez. Aujourd'hui, plus question de prendre des décisions sans prendre en considération les enjeux pour la santé et le climat, sous prétexte uniquement d'arguments en matière de développement économique ou plutôt de transit européen sans réelle plus-value pour notre département. En 2021, des projets d'une telle ampleur, avec 42 km de bitume, 8 viaducs, 6 échangeurs d'un montant de plus d'un milliard, ne peuvent ignorer cette évidence. Je vous rappelle, pour mémoire, que ce projet a plus de 40 ans, qu'il est fortement connoté et appartient désormais au passé, qu'il n'a d'ailleurs jamais fait consensus, repoussé même par Jean Le Canuet, maire de Rouen, qui fut tour à tour garde des Sceaux et ministre de l'aménagement du territoire, député, sénateur, président du Conseil général de Seine-Maritime de 1974 à 1993. Et que vous qualifiez sans doute avec raison, puisque vous avez été, monsieur le président, l'un de ses proches, et je vous cite, un homme précurseur qui a marqué notre département, qui a transformé la ville de Rouen en la modernisant. Pourquoi alors Jean Le Canuet, que certains ont qualifié d'homme politique qui construisait des ponts sur la Seine à chaque fois qu'il était ministre, n'a jamais consenti à la réalisation de ce périphérique rouennais? Peut-être tout simplement parce qu'il savait nourrir sa réflexion en écoutant toutes les parties prenantes, comme Tony Larue, Colette Privat ou Roland Leroy, par exemple,
qu'il connaissait parfaitement et qui savait pertinemment que la densité urbaine par l'est de l'agglomération ne permettait pas de tels aménagements. Déjà à l'époque, vous voyez que l'histoire se répète. Une solution avait été trouvée par l'ouest via un pont suspendu en amont de Rouen, comme celui inscrit en 1971 au schéma d'aménagement de la basse Seine. Voilà pourquoi il est nécessaire de réfléchir avant de commettre l'irréparable. En tant qu'élu responsable, nous n'avons jamais dit non à ce projet, mais oui à une solution soutenable et acceptable. C'est ce que nous avons écrit avec les élus de notre groupe à la métropole, au président Macron, à qui nous demandons de trancher rapidement afin d'écarter les manœuvres politiciennes des majorités départementales et régionales qui pourraient s'apparenter à un véritable déni de démocratie. Car, dans l'état actuel des choses, votre copie, monsieur le professeur, n'est pas bonne. Avant de dépenser inutilement l'argent du contribuable, il serait bon d'entendre les arguments des futures victimes. Des solutions existent. Nous n'allons pas, une fois encore, vous énumérer la liste. Il suffit de reprendre nos précédentes interventions. Mais, comme vous, nous savons que les discussions autour du contournement de Rouen durent depuis plus de 40 ans. Comme vous, nous savons que Rouen joue un rôle de centralité. Comme vous, nous savons que les axes principaux qui la desservent sont des pénétrants. Comme vous, nous savons que le trafic de transit doit s'écarter le plus possible des zones d'habitation. Comme vous, nous savons que le port de Rouen est un port de fond des SUA qui a besoin d'être connecté au réseau. Comme vous, nous savons que l'économie, c'est la réalité des choses et qu'elle est créatrice de valeur ajoutée. Comme vous, nous savons que nous sommes dépendants d'une économie mondialisée, même si nous le regrettons et que cela doit justement nous faire réfléchir sur nos décisions pour l'avenir. Comme vous, enfin, et nous sommes bien placés pour le savoir, nous savons que plus de 300 hectares de friches industrielles sont à valoriser sur l'ensemble du territoire métropolitain, sans avoir à tout prix besoin des camions pour le faire. Une fois cette liste à la Prévert énoncée, que dire de plus ? Vous dire que d'autres solutions existent et que nous sommes prêts à collaborer pour mettre en place des solutions humaines et respectueuses pour la santé et l'environnement. Vous dire que le fer et le fleuve, qui ne représentent que 20% du trafic aujourd'hui, méritent d'être largement développés au détriment du fret routier, utile pour l'accomplissement des derniers kilomètres et non pour traverser l'Europe tout entière sans réelle valeur ajoutée pour notre métropole et département. Vous dire que l'axe Seine qui refait surface et que nous nous en réjouissons montre à nouveau tout son potentiel. À ce sujet, rappelons-nous, parce qu'il faut toujours se rappeler des choses qui ont été dites des dizaines d'années avant, rappelons-nous les déclarations de Thierry Foucault, Hubert Villefranc, Jean-Paul Lecoq, qui avaient compris bien avant d'autres où se situaient les enjeux. Eux qui regrettaient les problématiques d'aménagement du nord de la France et dénonçaient déjà les véritables menaces face aux emplois et au savoir-faire normand sacrifiés au profit des ports concurrents du nord de l'Europe. Vous dire enfin que nos contre-propositions privilégient des alternatives autoroutières ainsi que l'optimisation des infrastructures existantes en lieu et place de nouveaux corridors synonymes d'artificialisation des sols, de concentration de gaz à effet de serre, de polluants atmosphériques dans des zones fortement peuplées et déjà lourdement impactées sur le plan sanitaire. Votre justification du « à tout prix » n'a aucun sens, sauf peut-être à servir les intérêts de quelques-uns sans prendre en considération l'intérêt général. Les électeurs vous jugeront. Le coût du péage sera un frein à l'utilisation de ce contournement et rien ne pourra contraindre les chauffeurs routiers à emprunter cette voie payante, vous le savez. Il faut protéger la santé de nos concitoyens, de tous nos concitoyens, sans exception. La santé est bien une compétence de notre collectivité, n'est-ce pas ? Pour cela, il faut bien évidemment que tous les citoyens bénéficient de la même considération, car actuellement, le sentiment de sacrifice domine pour une part importante de notre population, qui se voit stigmatisée et rejetée, et qui interprète votre décision ainsi. On déplace les problèmes sans penser à nous, comme si sur ce territoire, il y avait des bons et des mauvais citoyens qui pouvaient tout subir. Des solutions doivent être apportées pour désengorger le centre de Rouen, pour fluidifier le trafic sur le pont Mathilde et sous le tunnel de la Grand-Mare, pour régler les ralentissements de la descente au niveau de la descente de Barentin sur la A150, les problèmes de circulation sur Biorel, Mont-Saint-Aignan, Desvilles, Maromme, c'est évident. Mais dans l'état actuel des choses, non, ce projet tel que prévu n'est pas particulièrement vertueux en matière d'environnement. Non, les compensations annoncées ne seront pas suffisantes face aux préjudices subis. Oui, à la raison,
devra l'emporter dans ce débat à condition d'écouter et de prendre en considération l'ensemble des propositions. Oui, il est important de créer l'attractivité sans laisser partir les opportunités, tout en créant de la valeur ajoutée pour la distribuer, mais pas à n'importe quel prix. En point d'orgue de votre démonstration irresponsable, vous brandissez le modèle économique Amazon qui cherche à s'implanter sur la métropole. Nous vous le disons, ce modèle économique qui construit sa stratégie sur l'exploitation humaine et sur l'irrespect des salariés, en mettant en œuvre, comme aux États-Unis, des actions allant de la création d'un site web destiné à décourager ses collaborateurs de se syndiquer jusqu'à la modification de la vitesse d'un feu tricolore à la sortie de l'entrepôt pour limiter les échanges entre les chauffeurs et les militants syndicaux, n'a pas sa place ici. Sur le sujet, et je vous invite aussi à découvrir le reportage de Vanessa Descoureaux de France Inter, intitulé « Un colis à tout prix », qui évoque la condition des livreurs dont les statuts varient, mais qui ont en commun des impératifs de rapidité et de qualité de service, très souvent au prix de leur propre qualité de vie brisée. C'est édifiant. Ça vaut mieux qu'un long commentaire et d'un long discours. Je vous remercie. Merci, Monsieur Barré. Je donne la parole à Monsieur Ragache. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, si nous voulons laisser le monde d'avant derrière nous, nous devons nous concentrer sur les grands enjeux qui nous attendent et qui nécessiteront des choix politiques forts. Certains d'entre eux, comme aujourd'hui, ont fait l'objet de débats au sein de notre hémicycle, et pour répondre à ces enjeux, il est évidemment nécessaire d'y consacrer des financements importants. Nos choix politiques présents doivent donc être mûrement réfléchis, car ils impactent et l'avenir et nos finances publiques. Dans ce rapport, vous nous proposez de rajouter aux 22 millions déjà prévus 18 millions supplémentaires pour un projet qui mature, et M. Barré le rappelait, depuis 40 ans. Je voudrais donc revenir sur deux enjeux qui ont fait l'objet de discussions ici et pour lesquels il me semble que ces 40 millions seraient plus utiles dans l'intérêt général. Le premier est lié directement à notre débat et moi aussi, M. Bazile, je me réfère à l'actualité récente et dans un récent rapport, l'ONU déplorait la faiblesse des investissements vertueux d'un certain nombre de plans de relance ne répondant pas aux enjeux de lutte contre le réchauffement climatique et critique notamment le développement de nouvelles infrastructures routières. Je reviens plus localement à une tout aussi noble institution pour revenir à la commission infrastructure numérique transport qui s'est tenue le 21 mars 2019 et à laquelle M. Gastine, vice-président de la région, avait été convié pour parler du plan de transport de la région Normandie. À cette occasion, M. Rousselin avait rappelé son attachement, au moins sa sensibilité à l'intermodalité pour ce qui concerne le territoire havrais. Je pense que cet attachement, nous le partageons aussi au niveau de la métropole Rouen-Normandie, et quitte à financer un projet d'intérêt national aux côtés de l'État et de la région, pourquoi ne pas participer à la relance du fret? Ça a été évoqué par nos collègues Bruno et Barré, ainsi que s'est engagé à le faire le président de la République le 14 juillet 2020. Il l'a fait sans doute parce que nous avons pu prendre la mesure de l'importance vitale et stratégique du fret en période de crise sanitaire quand il s'agissait de venir en soutien au monde économique, mais aussi au bon approvisionnement de notre système de santé. Or, si la part du fret dans le transport de marchandises a fondu en France pour atteindre 9%, aujourd'hui, cette part est en moyenne du double chez nos voisins européens. Pour Saint-Étienne-du-Rouvray comme pour Saint-Étienne-du-Rouvray, cela reviendrait aussi à redonner vie au très voire au trop médiatique cimetière des locomotives et participer à la redynamisation d'un moyen de transport écologiquement sobre qui représente une véritable alternative au tout routier. Le second enjeu que je souhaitais évoquer avec vous et qui devrait bénéficier de financements également conséquents, c'est la prise en compte du vieillissement. Lors de sa venue, Christine Gardel, alors directrice de l'ARS, avait parlé d'EHPAD hors les murs. Pour ce faire, les établissements hospitaliers pourraient devenir des plateformes de soutien au maintien à domicile. C'est une proposition intéressante et sans aucun doute nécessaire qui nous impose de travailler de façon partenariale, département et ARS. Or, bon nombre de nos EHPAD connaissent aujourd'hui des déficits structurels. C'est le cas pour le centre hospitalier du Bois-Petit à celui de Lerouen, que vous connaissez bien, Monsieur le Président, et qui est par ailleurs au cœur d'un projet de regroupement d'établissements avec la Pléiade de Rouen et Saint-Julien à Petit-Quevilly.
Et afin de garantir la viabilité de ce type de projet, il faut pouvoir consolider les finances de ce centre hospitalier qui pourrait à terme s'inscrire dans cette démarche innovante d'EHPAD hors les murs. Voilà juste deux pistes de réflexion qui mériteraient sans doute des financements à la hauteur des enjeux qu'ils représentent et de nous engager concrètement dans le monde d'après. Je vous remercie. Merci, M. Regache. M. Métaux, vous avez la parole. Allô, ouais. Monsieur le Président, chers collègues, je pense que comme on a pu le dire précédemment lors de la précédente séance, nous sommes aujourd'hui sur un projet qui économiquement, au travers, je dirais, du désenclavement de la région rouennaise, est un projet qui nous semble important. Il nous semble important puisqu'il a été acté par, je dirais, presque par l'ensemble des groupes de cet hémicycle, à contrario du groupe du Parti communiste, qui est resté toujours, lui, sur la même optique. Pas de projet impactant nos communes de nos cantons. Aujourd'hui, on est sur un projet qui touche l'ensemble de l'agglo, de la métropole rouennaise. Et donc, il nous paraît important qu'on puisse faire avancer ce projet. D'ailleurs, tout à l'heure, M. Alban Bruno, au nom du groupe communiste, ne se désengageait pas n'allait pas à l'encontre du désenclavement de la région du Havre à la création de l'autoroute ou par ses ponts, mais réclamait la gratuité. Et donc, j'ai du mal à comprendre parfois qu'on puisse réclamer le désenclavement ou soutenir le désenclavement, comme Jean-Paul Lecoq l'a toujours fait, du Havre et pas soutenir le désenclavement de la région rouennaise. La gratuité est un autre débat. Aujourd'hui, l'intérêt des habitants, l'intérêt économique, et j'espère que, Monsieur le Président, avec l'ensemble des partenaires, vous agirez pour, bien sûr, défendre l'intérêt écologique, environnemental. Et donc, dans ce cadre, pour un certain nombre de ces éléments, je pense que nous voterons pour votre proposition, Monsieur le Président, mais permettez-moi une réflexion. 18 millions supplémentaires, c'est une somme qui va simplement profiter, je dirais, à une partie des habitants ou de la métropole de Rouen. Aujourd'hui, la métropole va économiser 66 millions, puisqu'elle a refusé de participer à ce financement. Si demain il se réalise, ce que je souhaite, est-ce que le département envisage de revoir sa participation au contrat de territoire de la métropole, puisque la métropole va économiser d'un côté 66 millions, et notre collectivité, le département, va financer 18 millions supplémentaires, au détriment de l'ensemble des autres communes de ce territoire. Et donc, il nous paraît indispensable de pouvoir, je dirais, sur des investissements importants, qu'on puisse aussi avoir un esprit, j'allais dire égalitaire, le mot est peut-être un peu fort, mais le même état d'esprit pour l'ensemble des habitants du territoire. Et dans ce cadre-là, puisque la métropole économise 66 millions, s'il se réalise, pourquoi ne pas revoir son contrat de territoire en abaissant la participation du département de manière importante jusqu'à hauteur de ces 18 millions? C'est un peu la question que je vous pose, Monsieur le Président, puisque, à nos yeux, il faut avoir, une intervention pour des infrastructures essentielles, indispensables, et je pense, entre autres, à la ligne Paris-Le Havre, qu'il nous faudra peut-être accompagner. Si certains défendent la ligne Paris-Fto, je pense qu'il faut aller jusqu'au Havre. Et donc, dans ce cadre-là, il nous faudra peut-être intervenir de manière aussi importante par rapport à ça sur toute la problématique du transport, par train. Voilà, Monsieur le Président, ce que je voulais acter. Vous pouvez compter sur notre soutien, mais je tiens à le rappeler, je vous ai posé une question et j'aimerais bien avoir cette réponse. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Métaux.
Monsieur Diallo, vous avez demandé la parole. Merci. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, mes chers collègues, oui, 18 millions d'euros pour 780 mètres d'autoroute. Oui, 780 mètres sur 42 kilomètres. Voilà ce que représentent les 18 millions, Monsieur le Président. Il y a bien, bien mieux à faire avec ces 18 millions à Rouen, sur la rive gauche notamment. L'année dernière, Monsieur le Président, nous avons voté votre nouveau plan Ambition Collège 2024-2030. Ce plan prévoit, entre autres, la construction d'un 110e collège au cœur du futur quartier Flaubert à Rouen. Le développement de la rive gauche est un projet essentiel pour nous tous, pour l'avenir de notre ville, de notre métropole et de la Seine-Maritime en général. Et l'implantation d'un nouveau collège sur la rive gauche est indispensable pour accompagner ce développement. De nombreux logements sont programmés dans le nouveau quartier Flaubert, entre 2500 et 2900 logements plus précisément. Au nouveau collège s'avérera indispensable car les établissements situés à proximité sont saturés, comme Camille Claudel, ou proches de leur capacité maximale, comme Jean Le Calmier et Bardet d'Aurélie. Par ailleurs, les collèges du Petit Quevilly, Fernand Léger et Diderot, ne suffiraient pas à accueillir l'ensemble des nouveaux effectifs. Le coût de la construction de nouveaux collèges sur la rive gauche de l'agglo rouennaise est estimé par les services du département à 22 millions d'euros. Donc, 18 millions d'euros permettraient de payer 82% de ce nouveau collège. La quasi-totalité d'un équipement qui sera utile aux Rouennais et utile aux Seine-Marins qui viendront s'installer et vivre dans le nouveau quartier Flaubert. Par rapport à 780 mètres d'autoroute à péage, mon choix est fait. Je voterai contre cette délibération. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci beaucoup, Monsieur Diallo. Alors, Madame Follet, vous avez demandé la parole. Oui. Voilà, Madame Follet, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, mes chers collègues, cette délibération nous propose de voter 18 millions d'euros de plus pour le contournement. Contournement Est de Rouen. Elle concerne une infrastructure qui, si elle était amenée à être construite, impacterait considérablement le territoire dont je suis l'élu. Nous n'allons pas refaire le débat que nous avons déjà tenu ici à de multiples reprises. Les enjeux n'ont cessé d'évoluer au cours des dernières années et encore plus vite, certainement, au cours de ces derniers mois. En raison de la crise que nous vivons, les priorités ont été profondément modifiées et de nombreux projets sont amenés à être repensés, redessinés, en tenant compte des nouvelles priorités dans notre métropole et aussi bien au-delà. La priorité pour la collectivité des solidarités qu'est le département, c'est bien évidemment d'être solidaire. Je me suis rendue il y a peu de temps dans les locaux des Restos du Cœur de Darnétal et j'ai été frappée par le mauvais état de ces locaux, mais aussi par le manque de moyens qui frappe le fonctionnement de cette association de solidarité, pourtant si indispensable pour un nombre toujours croissant, malheureusement, de Seine-Marins. L'année dernière, Monsieur le Président,
afin de soutenir les associations caritatives en tension, car très mobilisées depuis le début de la crise sanitaire et sociale, comme c'est le cas pour les Restos du Cœur ou encore la Banque alimentaire, il a été décidé le versement de 80% de la subvention départementale annuelle, avec ensuite le versement du solde de 20%. C'est une bonne mesure, sauf que nous sommes restés sur les montants de subventions habituels, alors que les associations caritatives font face à une explosion de demandes d'aide. Les queues ne cessent de s'allonger devant les locaux des associations lors des distributions alimentaires. Une aide exceptionnelle de 150 000 euros a certes été votée en novembre dernier en soutien à 12 structures d'aide alimentaire basées en Seine-Maritime. Rappelons tout de même que cette enveloppe provient de la Convention d'appui à la lutte contre la pauvreté et l'accès à l'emploi signée avec l'État. Il a fallu attendre des fonds de l'État pour que nos marines. Alors, j'ai fait le calcul. Avec les 18 millions d'euros que vous voulez utiliser pour une autoroute à péage qui traverserait notre canton, vous pourriez reproduire 120 fois le geste de soutien à hauteur de 150 000 euros que vous avez effectué envers nos associations caritatives en novembre dernier. Pour moi, il n'y a pas à hésiter. La solidarité passe avant tout. Je voterai contre cette délibération. Je vous remercie. Merci, Madame Follet, pour votre intervention. Je fais juste un rappel au règlement. Le règlement prévoit que nous intervenons sur le sujet qui est à l'ordre du jour et par conséquent, rien d'autre. Toutefois, Madame Follet, vous aurez sans doute l'occasion, l'opportunité d'intervenir donc à la fin de cette session lorsque nous évoquerons les rapports de la troisième commission et tout particulièrement lorsqu'il s'agira d'évoquer le budget supplémentaire. Peut-être que vous n'avez pas pris connaissance de l'intégralité de ces éléments, mais vous aurez l'occasion de découvrir qu'il y a là un soutien de 300 000 euros pour l'aide alimentaire, pour poursuivre les efforts que nous avons faits depuis plus d'un an pour aider effectivement toutes ces associations caritatives. J'ajouterai, puisque nous étions ensemble à Darnétal pour visiter les installations des Restos du Cœur, que j'ai assuré la ville de Darnétal d'un soutien du département de la Seine-Maritime pour que ces locaux puissent être rénovés. Mais à l'avenir, merci de bien vouloir rester dans le sujet. Merci, Madame Follet. Je vous donne la parole à Madame Lecordier. Merci, Monsieur le Président, chers collègues. Bien sûr, je me devais aussi d'intervenir concernant le contournement Est et cette délibération particulièrement. Peut-être répondre à Monsieur Barré, effectivement, qui fait beaucoup des effets de manche concernant ce sujet, même si on peut lui dire qu'effectivement il a été, comme ses collègues communistes, toujours contre ce contournement Est, ce qui n'est pas le cas de ses collègues et de nos collègues socialistes, puisque eux ont changé d'avis alors qu'ils étaient des chevaliers et des chevalières, en tout cas pour l'ensemble de ses membres pour défendre ce contournement Est. Et du coup, moi, je m'étonne quand même que M. Barré puisse indiquer à un moment donné que nous n'écoutons pas ce que peuvent nous dire nos concitoyens et nos concitoyennes. Moi, je veux juste rappeler qu'il y a eu un sondage, effectivement, qui n'est qu'un sondage, mais qui rappelle quand même que 80% des habitants de la Seine-Maritime sont pour ce contournement Est.
Donc moi, je ne vais pas refaire le débat, mais il est inutile ici, sur un sujet aussi épidermique, me semble-t-il, de mettre en opposition nos concitoyens et nos concitoyennes, soit d'un côté ou d'un autre côté de ce département. Nous avons tous à subir aujourd'hui ces contraintes de ce non-contournement, puisque nous sommes des seules régions à ne pas en avoir, ce qui crée un certain nombre de difficultés. Mais Monsieur le Président, vous l'avez dit, je ne reviens pas sur les causes sanitaires de ces camions qui sont présents et arrivent directement auprès du CHU, même si ça désole Monsieur Barré qu'on indique ces éléments-là, mais il me semble aussi nécessaire. Je ne reparle pas effectivement du nord de ce département et notamment du canton aussi où je suis élue, mais je pense que ça impacte beaucoup de personnes et que concrètement, avec beaucoup d'humilité, moi j'ai entendu beaucoup nos collègues socialistes parler d'humilité et d'aller pour les uns et les autres aller chercher des informations auprès de scientifiques, etc. Oui, ben, excusez-nous, nous aussi nous l'avons fait. Et nous aussi, nous avons écouté à la fois les acteurs et les actrices du secteur économique, les acteurs et les actrices qui nous ont aussi parlé d'écologie, mais d'écologie pas punitive, d'une écologie moderne qui intègre à la fois la prospérité de ce département, en tout cas on le souhaite, car vous le savez, le port, le développement économique, la santé de nos concitoyens, et puis au quotidien, les risques routiers qu'amène effectivement ce non-contournement S, pas sur le canton où je suis élue, mais je pense à d'autres cantons comme Maromme et puis d'autres, en tout cas, qui permet, pour qui le contournement S permettrait effectivement d'avoir des réponses adaptées, dans une volonté en tout cas de vouloir continuer de construire ce projet et dans les nouvelles dispositions, décrets circulaires et dans un plan climatique que nous souhaitons tous, bien évidemment, et nous aurons un regard bien sûr sur ce volet-là. Juste dire que bien sûr 18 millions de plus, Monsieur le Président l'a dit, je voulais répondre à M. Follet, mais Monsieur le Président, vous l'avez indiqué, bien sûr, sur le budget supplémentaire, nous sommes aussi là sur le plan de relance. Monsieur Ragache aussi fait des oppositions entre ce contournement S et puis le plan de relance. Nous sommes présents à la fois sur ce sujet et sur le plan de relance. Donc, voilà, il ne faut pas opposer les deux sujets. On a été présents et si on l'a été, je pense que on peut remercier notre majorité, les deux présidents en tout cas qui ont œuvré durant ce mandat pour permettre à ce département de se désendetter, d'être présent sur ce plan de relance, d'être présent auprès de nos concitoyens sur un contournement S que nous souhaitons depuis plus de 50 ans. Et je voulais saluer l'ensemble de mes collègues, effectivement, d'avoir permis de pouvoir œuvrer dans ce sens-là. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Madame Lecordier. Madame Depitre, vous avez demandé la parole. Merci, Monsieur le Président. Je vais être très rapide, Monsieur le Président. Nous avons déjà eu ce débat en janvier. Mais quand M. Barré parle d'infamie, cela m'apparaît excessif et inadapté. Je me suis déjà exprimée sur ma position concernant ce projet d'autoroute et son financement. Je ne peux que regretter qu'une rallonge financière de 18 millions d'euros soit prévue. Il me semble que la priorité d'une collectivité dont les compétences principales sont les solidarités serait d'allouer cet argent à l'aide sociale à l'enfance. Je voterai donc à nouveau contre ce rapport. Merci. Merci beaucoup, Madame Depitre. Monsieur Bouillon, vous avez demandé la parole. Monsieur le Président, j'ai trouvé Alain Bézil, que je sais mesurer, très dur
dans son expression pour présenter cette délibération. Très dur avec d'autres collectivités, très dur sans doute avec le conseil départemental de l'Eure qui a retiré ses billes dans le financement de ce projet très tôt, à moins qu'il ne l'ait pas cité, sans doute à dessein, puisque à l'époque où le conseil départemental de l'Eure a pris cette décision, il était présidé par Sébastien Lecornu, et on imagine bien évidemment qu'il s'agit non pas de s'en prendre à une collectivité, mais de faire de la politique politicienne en s'adressant à ceux qui dirigent une collectivité. Et c'est la raison pour laquelle vous avez fait ce choix délibéré de vous en prendre en quelque sorte à la métropole Rouen-Normandie, oubliant par là même la libre administration des collectivités locales. C'est en effet assez rare de voir une collectivité, presque sur un ton péremptoire, s'en prendre à une autre collectivité. Mais revenons plutôt finalement aux compétences de notre collectivité, et notamment au cœur de ces compétences, la question des solidarités. Vous faites un choix, vous l'assumez, et on le comprend, d'ailleurs on le respecte, inutile de prendre un ton parfois qui frise l'arrogance ou qui pointe un doigt sans doute vengeur sur tel ou tel élu. Il est possible pour un élu d'exprimer son opinion dans une assemblée sans qu'il soit moqué d'une façon parfois fort désagréable. Et comme élu, on a droit en effet sur ces sujets-là d'avoir une opinion construite, une opinion assumée. Vous l'avez, nous l'avons, respectons-nous. Ça changera un peu de l'atmosphère, de la tonalité parfois qui règne ces derniers temps au sein de notre collectivité. Vous assumez en effet le choix, avec ces 18 millions, de financer finalement 790 mètres d'une autoroute à péage qui fait 42 km. Parce que 18 millions, ça équivaut simplement à 790 mètres de cette autoroute. Je m'appuie sur l'avis d'ailleurs du Conseil d'État qui rappelait que 1 km de cette autoroute, c'est l'équivalent de 22 à 23 millions d'euros. C'est votre choix, vous l'assumez. Avec ces 18 millions d'euros, et au regard des compétences qui sont celles de notre collectivité, je pense qu'on aurait pu faire autre chose. Je prends des exemples pris dans le canton que j'ai l'honneur de représenter avec ma collègue Pierrette Canu. Avec ces 18 millions d'euros, soyons simples, le collège Charcot au Trait serait d'ores et déjà dans les starting blocks et on pourrait commencer à envisager sérieusement sa construction qui est aujourd'hui dans le plan collège est un peu éloignée. Avec ces 18 millions, soyons clairs, on aurait pu aussi accélérer la construction de la caserne de Duclair et même celle de Saint-Martin de Beaucherville. Avec ces 18 millions d'euros, on aurait pu aisément ne pas traîner sur une demande importante qui est celle d'une meilleure desserte d'une entreprise essentielle dans notre département qui est Ferrero à Villers-et-Cales. Il y a aujourd'hui besoin, en effet, d'améliorer la desserte de cette entreprise qui est approvisionnée par des poids lourds qui traversent aujourd'hui la ville de Barentin plus de 120 jours. Nous avons là moins de 2 km de voirie qui doivent être réalisés pour seulement 9 millions d'euros. La ville de Barentin s'est engagée à 2 millions d'euros et aujourd'hui, utilisant des arguties, le département traîne, empêchant l'entreprise Ferrero de pouvoir se développer encore plus comme elle souhaiterait le faire. Avec ces 18 millions d'euros, on aurait pu aussi accélérer la sécurisation des berges de la Seine, dont on sait que Mony, Bardouville, Yville-sur-Seine, Anneville-en-Bourville et même de l'autre côté de l'eau, Saint-Martin de Beaucherville ou autre, connaissent des événements climatiques avec des inondations de plus en plus fréquentes. Mieux, et j'en terminerai là, et ça tombe exactement, j'ai envie de dire, à l'euro près, avec ces 18 millions d'euros, on aurait pu d'ores et déjà financer pour les 53 000 collégiens du département un équipement numérique de qualité pour leur permettre, comme c'est le cas cette semaine, de faire face à cet enseignement à distance. Certes, notre collectivité, et il faut leur en remercier, a bénéficié de la générosité de la Matmut qui a offert 3 500 ordinateurs. Ça, on peut le dire, la Matmut, elle assure, en tout cas, elle assure plus que le département de Seine-Maritime. 18 millions d'euros, c'est la possibilité dès maintenant d'avoir 53 000 tablettes
pour 53 000 collégiens et non pas 3 500 seulement tablettes. C'est un choix, vous faites un choix différent, chacun ses choix. En tout cas, il faut que les habitants de ce département puissent voir que vous préférez financer une autoroute qui est plutôt une compétence de l'État plutôt que d'aller à équiper nos collégiens qui en ont bien besoin dans l'ère numérique au moment d'une crise sanitaire qui les oblige à vivre un enseignement à distance. Chacun ses choix. Merci de votre écoute. Merci, Monsieur Bouillon. Monsieur Coutet, vous avez demandé la parole. Merci, Monsieur le Président. Alors, je vais essayer d'être zen, mais j'avoue que je suis un petit peu énervé par rapport à ce que j'ai pu entendre depuis tout à l'heure sur ce débat. Tout d'abord, une première remarque par rapport au collègue Métaux. Juste lui rappeler un détail qui sans doute l'a échappé au regard de son éloignement géographique par rapport au territoire de la métropole Rouen-Normandie. Mon cher collègue, la métropole n'a jamais délibéré dans aucun document administratif ou budgétaire un financement à hauteur de 66 millions d'euros. Ça n'a jamais été délibéré au sein du Conseil métropolitain. Après, je prends sa proposition au bon, mais je m'interroge fortement sur cette idée soumise par le collègue Métaux de commencer à regarder les quelques euros, millions ou autres mis sur tel territoire pour voir si tel autre territoire ne pourrait pas en bénéficier et d'inviter le département à retirer 18 millions d'euros sur le contrat de territoire signé avec la métropole. Je suis curieux d'entendre la réaction de Marine Caron sur cette proposition faite par le collègue Métaux. Au-delà de cette remarque, Monsieur le Président, moi aussi j'ai été un petit peu interpellé par l'état d'esprit avec lequel votre vice-président nous a invités à ne pas refaire le débat tout en le relançant. Effectivement, moi aussi, je pense qu'il faut raison garder et faire attention quand on est au sein de l'hémicycle départemental à respecter la libre administration des collectivités et des établissements publics de coopération intercommunale. Moi aussi, je n'ai pas souvenir d'avoir entendu quiconque au sein de votre majorité réagir dans l'hémicycle ou publiquement sur le désengagement, pour le coup, du conseil départemental de votre ami Sébastien Lecornu. De la même manière, monsieur le vice-président, je vous invite à arrêter de parler de projet écologique au regard de ce contournement. Il s'agit de bitumer des centaines d'hectares d'espaces naturels, agricoles et forestiers. On ne parle pas d'écologie quand on fait une autoroute. Je suis très, très dubitatif. J'ai pour habitude d'être relativement mesuré, mais là, j'avoue que cette remarque insidieuse du vice-président Basile sur les orientations politiques du territoire métropolitain, je vous la retourne, monsieur le vice-président, au regard de l'alliage et de la composition de la majorité départementale, dont on peut s'interroger aussi à notre tour sur la cohérence selon l'hémicycle dans lequel vous vous trouvez et selon demain le scrutin dans lequel vous allez vous présenter. Vous nous invitez à la cohérence, je vous retourne l'invitation. Alors effectivement, ces 18 millions auraient été bien utiles pour les Sénomarins du canton que je représente avec Agnès Largillet, car oui, il y a la reconstruction de la caserne des sapeurs-pompiers de Pavilly, il y a le financement de la jonction de cette bretelle d'évitement de Piscipoville, pour lequel l'intercommunalité Interco-Vexin et la commune de Piscipoville attendent un soutien du département. Il y a également, on aurait pu travailler l'amplification de la lutte contre les inondations, puisque beaucoup des habitants de la vallée de l'Austreberg subissent encore trop souvent ces drames. Avec ces 18 millions, le département aurait, et là je ne sors pas du sujet, Monsieur le Président, puisque vous nous invitez à travers les rappels au règlement à rester sur la délibération, le département aurait pu effectivement être au rendez-vous de la relance en ne limitant pas que à 2021 le passage de 25 à 30% des aides aux communes. On aurait pu aussi, puisque je vous rappelle que le plan de relance est sur 2021 et 2022, on aurait pu aussi travailler, ça c'est une forte attente des maires, sur le déplafonnement à l'occasion de ce plan de relance, le déplafonnement des montants maximum fixés par
sur bon nombre de dispositifs d'aide du département en direction des communes. Et juste pour terminer, je pense que les enjeux, Nathalie Lecordier l'a dit, les enjeux auxquels nous sommes confrontés face à cette crise climatique doivent raisonnablement nous faire complètement changer de paradigme. Certains se sont arrogés cette phrase du monde d'avant. Eh bien, justement, dépassons ce monde d'avant, changeons complètement notre paradigme. Et Monsieur le Président, j'ai une question à vous poser, puisque avec le président de la région, vous vous êtes empressé de dégainer ces millions d'euros. Je m'interroge simplement, pourquoi n'avez-vous pas, au regard de votre proximité politique avec le président de la République, sollicité tout simplement rendez-vous avec le président de la République? J'ai cru comprendre que votre ancien directeur général des services était devenu conseiller du président de la République en charge des territoires. Je rappelle, comme ça a été dit par le vice-président Basile, on est là sur un projet porté par l'État. Si c'est l'État qui porte le projet, c'est à l'État de financer. Pourquoi, Monsieur le Président, n'avez-vous pas profité de votre proximité avec le président de la République, de l'arrivée du conseiller spécial chargé des territoires au sein de l'Élysée, qui connaît bien le département de Seine-Maritime, pour que cette rallonge de 18 millions d'euros soit financée sur le budget de l'État et pas sur le budget des Seine-Marins? Je vous remercie. Merci, Monsieur Coutet. Madame Goujon, vous avez demandé la parole. Monsieur le Président, mesdames et messieurs, chers collègues, à l'heure où notre pays traverse une crise sanitaire ayant des répercussions économiques et sociales sans précédent, et alors que notre département est particulièrement touché, vous proposez, Monsieur le Président, avec votre majorité de droite, d'utiliser 18 millions d'euros afin de financer un projet de bétonisation du territoire métropolitain rouennais, et ce alors que les élus locaux se sont exprimés majoritairement contre. Puisque le sujet est bien de débattre de l'utilisation de 18 millions d'euros par le département, je me permets quelques mots sur ces 18 millions d'euros qui pourraient être utilement utilisés ailleurs afin de répondre aux répercussions négatives engendrées par l'incendie des entreprises Lubrizol et Normandie Logistique de septembre 2019. Maintenant que le département s'est constitué partie civile aux côtés de la métropole Rouen-Normandie et de la commune de Petit-Quevilly notamment, peut-être prendrez-vous la mesure de ce que le département peut apporter comme soutien à ses habitants. Si ce retournement de position est salutaire, je ne peux m'empêcher d'essayer de comprendre pourquoi, à l'aube du calendrier électoral qui s'ouvre devant nous, probablement pour être certain de récupérer les 114 000 euros que vous attendez pour le remboursement de vos dépenses d'urgence. Certes, cela est normal, mais après, quels sont vos investissements, pourtant évoqués lors d'une réunion à l'automne 2019, afin de subvenir aux besoins criants du service départemental d'incendie et de secours, des agriculteurs et consommateurs sénomarins? En effet, en novembre 2019, nous avions adopté ici même l'achat d'un camion de commandement mobile qui permettrait de déporter le commandement d'IFTO sur les opérations en cas de crise majeure, comme ce fut le cas lors de l'incendie des sites de Lubrizol et Normandie Logistique. Qu'en est-il plus d'un an après? Si le SDIS attend les conclusions d'un rapport spécifique qui devrait être présenté lors d'un prochain CHSCT, avec 18 millions d'euros, nous saurions répondre à cet enjeu essentiel d'équipement et de leurs conditions de mise en œuvre, compte tenu de la spécificité de notre département qui concentre le plus d'industries classées Seveso de notre pays. Se pose ensuite la question des effectifs de notre service d'incendie et de secours, aujourd'hui sous-doté comparativement aux départements de même catégorie. Que penser également des 3000 agriculteurs du département qui, suite aux restrictions sanitaires de septembre 2019, à la suite des conséquences de l'incendie, ont dû liquider leurs marchandises et ont perdu récolte et argent jusqu'à leur santé physique et parfois mentale pour certains d'entre eux. Alors oui, fin 2020, vous avez lancé des projets agricoles et alimentaires, certes, mais sans ambition pour le soutien à une agriculture sénomarine durable et responsable. Soutenir davantage les producteurs agricoles de proximité, bio, en circuit court, devrait être une priorité dans le contexte actuel. En effet, sans production locale responsable, comment envisager une consommation qui le soit? 5,6 millions de repas dans les collèges sont servis chaque année dans notre département,
ce qui est une grande opportunité de débouchés économiques pour nos filières agricoles locales. Sans parler des restaurations collectives, établissements du secteur en protection de l'enfance et de l'autonomie pour les personnes âgées et handicapées. Pourquoi, avec 18 millions d'euros, ne pas soutenir nos filières agricoles en les aidant dans leur reconversion vers une agriculture durable ? Le département pourrait également lancer une véritable politique départementale de soutien aux acteurs de l'économie sociale et solidaire qui travaillent de concert avec les agriculteurs. En effet, ces acteurs mettent en vente directe les productions locales et reversent intégralement l'argent aux producteurs. Favoriser l'alimentation durable à travers l'économie sociale et solidaire en soutenant les acteurs locaux qui s'efforcent de développer une agriculture raisonnée et durable et ainsi préservant la santé des cénos marins, voici une véritable politique ambitieuse et qui répond aux enjeux de notre territoire. Voilà, Monsieur le Président, chers collègues, dans quoi nous pourrions investir ces 18 millions d'euros et même ces 40 millions d'euros au lieu de les injecter dans un projet qui est resté bétonné dans les années 70, à une époque où je n'étais pour ma part pas encore née. Répondre à la crise sécuritaire et sanitaire de Lubrizol, développer une réelle politique incitative à l'agriculture biologique de proximité, voilà des investissements de long terme qui permettent de construire une saine maritime résilience. Je vous remercie. Merci Madame Goujon. Monsieur Rousselin, vous avez la parole. Président, oui, juste quelques éléments. Monsieur Ragache a évoqué une réunion de commission d'infrastructure présidée par Alain Bazile, où le vice-président Jean-Baptiste Gastine s'était exprimé donc pour représenter la politique régionale en matière de transport, et où avait été évoqué, effectivement, j'avais évoqué les nécessités d'avoir une certaine intermodalité. Ce que je pense effectivement de façon très 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 importante. Juste un point, cette intermodalité qui est absolument nécessaire n'a pas empêché sur le Havre la réalisation d'une voie structurante, la rocade nord du Havre, dont je peux vous dire par l'empruntant quasiment tous les jours, qu'elle a vraiment apporté un plus notable, a été financée par le département. Juste un an avant l'arrivée du tramway, hein, c'était en 2011 je crois, c'est la mise en service de cette rocade, et en complément elle venait effectivement irriguer, elle était en interconnexion avec la station nord du tramway du Havre, d'une des deux branches, et donc voilà, donc on peut très bien mettre en place des voies structurantes, importantes, qui fluidifient, et c'est le cas de la rocade nord du Havre, qui fluidifient le trafic et l'améliorent, tout en organisant cette intermodalité. Il y en a un bon exemple, effectivement, sur le Havre, parce que cette rocade financée par le département en son temps. Et c'est récent, hein, c'est de 2011, hein, c'est pas dans les années 70. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur Rousselin. Monsieur Coriton. Monsieur le Président, mes chers collègues, le débat qui nous anime ce matin, quand bien même on devine la ficelle politicienne qui l'anime à quelques semaines des échéances électorales, remet sur le tapis un sujet déjà évoqué en janvier dernier et qui pose la question de notre engagement financier sur le contournement Est. Et je voudrais d'abord m'associer à mes collègues Guillaume Coutet et Christophe Bouillon qui ont été surpris, comme je le suis, de la tonalité du débat qui vise systématiquement à vilipender ceux qui ne partagent pas l'opinion qui est la vôtre. La démocratie, c'est la divergence, c'est ne pas être toujours d'accord, mais c'est aussi respecter la position des autres. Et ce n'est pas parce que nous ne sommes pas favorables à la rallonge budgétaire que vous voulez porter sur ce contournement Est qu'il faut pour autant mépriser la position du groupe pour les Seine-et-Marins ou de celles et ceux qui viendraient à voter défavorablement à votre délibération. Alors oui, aujourd'hui, nous allons évoquer une rallonge, un engagement financier important de la collectivité. Depuis 6 ans, vous nous expliquez qu'il faut serrer les boulons, redresser la barre, désendetter. Ces mots, ce sont les seuls qui ont accompagné les prises de parole de votre majorité dans notre Assemblée à chaque sujet budgétaire, justifiant de nombreux reculs dans de nombreux domaines. Je n'y reviendrai pas, cela a été évoqué par certains de mes collègues. Depuis plusieurs mois, alors que nous continuions à vous appeler à revenir à la raison et vous demandions que le département prenne sa part à la relance, votre seule réponse jusque récemment était une fin de non-recevoir. Depuis notre séance de janvier, les cloches sont passées par là et la multiplication des pains est quasiment divinement arrivée, donnant à toutes les délibérations, fleurant bon la campagne électorale,
un ripollinage de relance ou de mesures d'accompagnement de la crise sanitaire. Et ce qui n'était pas possible il y a 2 mois le devient miraculeusement. Mieux, on trouve 18 millions d'euros supplémentaires pour compenser le manque de crédit pour boucler le financement du contournement Est et financer 780 mètres d'une autoroute à péage, à contre-courant des enjeux environnementaux qui sont devant nous, un projet de l'ancien monde. Auriez-vous donc trouvé un trésor ? Apparemment non, car cela va se faire au détriment des projets dans les territoires ou tout simplement des investissements courants. Je prendrai un exemple, celui du collège Victor Hugo de Rivancennes. Les volets roulants tombent en panne. Eh bien, on ne les répare plus et on décide de les remplacer par des rideaux intérieurs, au détriment de la qualité des conditions d'enseignement, à l'heure où le changement climatique nécessite de prendre en compte le confort face à l'exposition solaire. Les sols de la salle polyvalente sont à refaire, cela attendra. Voici un exemple des renoncements à venir. Sur mon canton de Notre-Dame-de-Gravenchon, les projets entrant directement dans le cadre des compétences départementales sont nombreux. Je crois que l'autoroute n'est pas une compétence départementale. Je pense à la fin de l'aménagement de la Seine à vélo, et notamment au tronçon de Petitville ou de Rivancennes, que nous attendons avec impatience pour améliorer les mobilités douces. Depuis plusieurs années, j'attire l'attention du département sur la sécurisation de la route départementale 982 et la baisse du trafic poids lourd qui n'a à ce jour pas encore fait l'objet de projets concrets entre le Trait et la Fresnaye. Je pense aussi au CD110 entre Aubervilliers-la-Campagne et la RD6015 et notamment à la traversée de Trouville-à-Liquerville, mais aussi au réseau routier départemental secondaire qui nécessiterait des investissements pour les trajets quotidiens des habitants du canton. Enfin, en 2019, Monsieur le Président, vous aviez été mobilisé sur ce sujet. La vallée de Seine a été touchée par des inondations importantes. Nous savons que le dérèglement climatique va engendrer des phénomènes pluviométriques intenses avec des risques de crues. Et les cartes qui nous sont présentées sont plutôt inquiétantes. La sécurisation des berges et les investissements pour protéger les populations seront importants et indispensables. Les sites industriels, aéronautiques, pétrochimiques et autres, les zones portuaires font partie de l'identité du canton de Gravenchon. L'hydrogène vert et l'énergie décarbonée en seront le futur. Mais tous ces sites, qui participent largement à la richesse fiscale de la Seine-Maritime, sont en bord de Seine et se doivent d'être protégés, tout comme les habitants qui sont au bord de notre fleuve. Le syndicat porté par notre collectivité aura besoin de crédits d'investissement conséquents qui ne sont aujourd'hui pas prévus. Alors de grâce, utilisez ces 18 millions pour des projets entrant pleinement dans les compétences de la collectivité plutôt que de les gaspiller dans un projet autoroutier. Je vous remercie. Merci, Monsieur Coriton. Monsieur Alban Bruno. Monsieur Bruno, vous avez demandé la parole. Voilà, vous avez la parole. Oui, je vais demander la parole, Monsieur le Président, depuis bien longtemps. En fait, je souhaitais réagir aux conclusions de Monsieur Basile suite au précédent rapport. Alors, je suis obligé d'attendre longuement. J'avais levé la main à ce moment-là. Mais en fait, je n'ai pas entendu Monsieur Basile sur les questions que j'ai soulevées, hein. Notamment sur la question de la gratuité des ponts, sur les trains, etc., etc. Donc, c'est un peu dommage. Et je souhaiterais vous en faire part. En faire part à l'ensemble des collègues. Alors, enfin, concernant la remarque de M. Métaux, qui m'a cité tout à l'heure, hein, sur la situation de l'agglomération havraise, je trouve ça complètement absurde comme remarque concernant le désenclavement de l'agglomération havraise. C'est des équipements qui sont déjà existants. Alors, je ne vois pas pourquoi il y a des remarques de ce genre, quoi. Voilà, M. le Président. Merci de m'avoir donné la parole. Merci, Monsieur Bruno. Monsieur Rouly. Monsieur Rouly, vous avez la parole. Je pense que le micro est rétabli. Oui. Merci. Monsieur le Président, quelques mots à mon tour pour réagir aux interventions de Monsieur Basile, Monsieur Métaux et à votre non-intervention, je m'expliquerai dans un instant sur cette expression. Monsieur Basile a fait une présentation du rapport qui est
erroné, pour employer un terme modéré, puisque nous appelons nous-mêmes, vous l'avez noté, à la modération dans nos échanges, mais qui est quand même grossièrement erroné. Et M. Coutet l'a rappelé, et je veux y insister. Non, M. Basile, le Conseil métropolitain n'est pas revenu sur une précédente décision, puisque le Conseil métropolitain n'avait jusqu'à présent jamais délibéré sur la question posée par l'État de savoir si la métropole contribuerait au financement de cette autoroute à péage. Bien sûr, il y avait eu des prises de position de tel ou tel élu dans le mandat précédent, mais jamais le Conseil métropolitain n'avait délibéré, contrairement, c'est vrai, au Conseil départemental, qui lui a délibéré deux fois. Et je pense que le vote auquel vous nous invitez aujourd'hui est une confirmation de la supercherie à laquelle nous avons assisté au mois de janvier et à laquelle nous avons refusé de participer. Au mois de janvier, vous souhaitiez que le Conseil départemental émette pour la deuxième fois et dans les mêmes termes qu'en 2018 un vote sur la contribution financière du département à ce projet, à savoir 22 millions d'euros. Il n'y avait aucune nécessité juridique à délibérer une deuxième fois dans les mêmes termes, mais vous avez souhaité le faire pour des raisons très claires et qui ont été explicitées par Pascal Martin lui-même dans notre débat de janvier, indiquant, je cite, que ce débat était motivé par l'expression du président de la métropole et de l'exécutif métropolitain défavorable au financement métropolitain de ce projet. Et donc, il s'agissait très clairement au mois de janvier de mettre la pression sur les élus de l'Assemblée métropolitaine avant qu'ils s'expriment, comme ils l'ont fait plus tard au mois de février, et heureusement, bien sûr, sans céder à votre pression. À peine le vote des élus métropolitains émis, vous avez, avec le président du Conseil régional, indiqué que le Conseil départemental serait à nouveau sollicité, cette fois-ci pour une rallonge, et une rallonge de 18 millions d'euros, excusez du peu, c'est quasiment le double de ce que le département s'est engagé à financer initialement. 18 millions d'euros de rallonge, c'est donc à cela aujourd'hui que vous nous invitez, en des termes qui ciblent scandaleusement la décision libre des élus métropolitains, et à ces termes employés par M. Basile s'ajoute la menace agitée par M. Métaux, tout aussi scandaleuse, de revenir sur la signature d'un contrat territorial entre le département et la métropole, qui n'a évidemment aucun rapport avec le sujet, pour la seule raison que les élus métropolitains, librement, auraient émis un vote qui vous déplairait. Et alors même que ce n'est pas le département qui porte le projet dont nous parlons, c'est l'État. Et bien sûr, ce n'est pas le département qui a sollicité la métropole, c'est l'État. Et la métropole est libre de participer ou non, comme le Conseil départemental de l'Eure a exercé lui aussi cette même liberté de ne pas financer un projet d'autoroute à péage porté par l'État. Et en se décidant librement, la métropole n'a évidemment pas demandé au département de s'engager aujourd'hui sur une rallonge de 18 millions d'euros. C'est vous, Monsieur le Président, qui, quasiment dans la minute qui a suivi, avez décidé de nous réunir pour cette délibération. Alors, on a connu M. Métaux beaucoup plus respectueux du principe de libre administration des collectivités et de leurs établissements. Et c'est là où je relève, avec beaucoup de regret, la menace qu'il a pu agiter. Mais, M. le Président, on vous a connu, et pas plus tard que ce matin, beaucoup plus prompt à réagir quand un propos vous semblait appeler une réaction. Pourquoi n'avez-vous pas aussitôt repris M. Métaux sur le propos grave qu'il a émis en agitant cette menace, alors que vous avez cru devoir reprendre Mme Follet d'une façon que mes collègues ont déjà qualifiée et que je regrette à mon tour, en prétendant qu'elle serait hors sujet
alors que nous ne sommes pas à l'école d'une part, et d'autre part, elle est totalement dans le sujet, puisqu'on parle des dépenses de la collectivité. Oui, quand Mme Follet vous dit qu'avec 18 millions d'euros, on ferait beaucoup de choses dans le domaine des solidarités, je pense qu'elle est dans le sujet. Mais quand M. Métaux agite la menace d'une rétorsion antidémocratique parce qu'un vote du Conseil métropolitain vous a déplu, vous ne le reprenez pas. Faut-il en déduire que vous partagez son propos ? Et où sont, par exemple, les élus de Rouen qui siègent aussi au Conseil métropolitain et qui, dans votre majorité, se sont déjà exprimés sur la question ? Je n'ai pas entendu Marine Caron réagir aux propos de M. Métaux. Et j'ai cru comprendre qu'elle était occupée à dialoguer sur le Facebook Live, en tout cas pas vraiment concentrée sur cette discussion. Je n'ai pas noté la présence de M. Bure, il peut arriver qu'un élu soit absent, mais enfin le sujet mérite quand même, quand on est un élu de ce territoire, un peu d'attention. Donc je voudrais, Monsieur le Président, que vous clarifiez, parce que le propos est grave, la position qui est la vôtre sur la proposition que je qualifie de menace agitée par M. Métaux, et de la même façon que vous avez cru devoir répondre à Mme Follet, j'aurais voulu que spontanément vous lui répondiez, puisque ce n'est pas spontané, je me permets, par mon intervention, de solliciter votre position, qui doit être à mon sens immédiate, car il n'y a pas à tergiverser sur la dissociation, bien sûr, des sujets. S'agissant des 18 millions d'euros que vous souhaitez ajouter aux 22 millions d'euros déjà délibérés, je veux dire, là encore, avec un peu de force, que la question n'est pas aujourd'hui de voter pour ou contre le contournement Est, et la question n'est même pas aujourd'hui de voter pour ou contre le principe d'une participation du département. Je rappelle que par le vote du mois de janvier à nouveau, cette participation a été décidée et elle a été fixée à 22 millions d'euros. La question aujourd'hui, quoi que l'on pense de ce projet, est de savoir si une rallonge de 18 millions d'euros se justifie au regard des compétences de la collectivité départementale et des urgences auxquelles elle doit faire face. Et quoi que l'on pense de ce projet, il est tout à fait permis de penser que ce n'est pas au contribuable sénomarin de supporter une telle rallonge, alors que le contribuable eurois, par exemple, n'a toujours pas été sollicité. Et mes collègues ont dit ce que représentent pour eux les 18 millions d'euros dont nous parlons. Je m'inscris bien sûr dans la continuité de leurs propos. Christophe Bouillon évoquait, et c'est d'actualité, la possibilité avec 18 millions d'euros d'équiper chaque collégien de Seine-Maritime d'une tablette numérique, par exemple, pour suivre les cours en distanciel. Je veux rappeler qu'avec 18 millions d'euros, vous auriez pu financer 9 ans de bourses sociales aux collégiens, mais les bourses aux collégiens, vous les avez supprimées dès que vous êtes arrivé aux responsabilités départementales. Eh bien, peut-être qu'aujourd'hui, on comprend pourquoi vous les avez supprimées. Pour pouvoir allonger 18 millions d'euros d'un seul coup, là où depuis 6 ans, vous nous expliquez qu'il n'y a plus d'argent dans les caisses et qu'il faudrait systématiquement sabrer dans les dépenses, par exemple, d'action sociale. Les bourses sociales aux collégiens sont un triste exemple, en effet, de ces suppressions. Mais avec 18 millions d'euros, on pourrait faire évidemment beaucoup encore. On pourrait construire un collège neuf. Là aussi, je crois que Christophe Bouillon l'a indiqué. On pourrait construire 5 gymnases, tout neuf. On pourrait sans doute financer plusieurs EHPAD. Et dans mon canton de Grand-Quevilly-Petit-Couronne, les idées ne manquent pas, comme c'est le cas dans tous les cantons, pour utiliser ces 18 millions d'euros. On n'a même pas besoin de 18 millions d'euros au total. Mais il y a des travaux à engager sur le centre de secours des pompiers. Eh bien, il serait intéressant d'utiliser ces 18 millions d'euros, en tout cas pour partie. Je vous ai interpellé sur la sécurité des collèges. Eh bien, nous allons aujourd'hui évoquer ce sujet, simplement sous l'angle de la vidéoprotection. Il y a des travaux importants pour sécuriser les collèges partout en Seine-Maritime, et c'est vrai pour les collèges de notre canton. Il y a des travaux à engager sur les clôtures, parfois. Il y a des travaux à engager sur le bâti. Il y a des travaux à engager sur les parvis, dans certains cas. Bref, nous avons tous
beaucoup d'idées sur la manière d'utiliser les 18 millions d'euros que vous voulez aujourd'hui consacrer à ces 790 mètres d'autoroute à péage. Eh bien, Monsieur le Président, c'est évidemment la raison pour laquelle nous voterons contre votre délibération. Et encore une fois, nous le ferons aujourd'hui parce que nous considérons que cette rallonge n'a pas de sens après les 6 années que notre collectivité vient de connaître et dans le contexte sanitaire, économique, social, environnemental qu'elle connaît aujourd'hui. Merci de votre attention et bien sûr de votre réponse sur la question importante que j'ai soulevée. Merci, Monsieur Rouly. Madame Mézrard. Madame Mézrard, vous avez la parole. Bonjour, Monsieur le Président, chers collègues, bonjour. Je voulais intervenir sur ce rapport, notamment sur la rallonge donc, de 18 millions d'euros du département de Seine-Maritime que vous proposez aujourd'hui, qui s'ajoutera aux 22 millions précédents, soit 40 millions au total, pour cette autoroute de 41 km à péage. Et je voudrais parler au-delà des préoccupations évoquées par mes collègues de notre groupe socialiste apparenté pour les Seine-Marins, mais aussi des autres groupes communistes, écologistes. Je voudrais parler en particulier de ce projet et du péage. Le péage prévu sur cette autoroute trouve un écho négatif en cette période de crise, encore plus où le pouvoir d'achat de nos concitoyens est une inquiétude. En effet, cela revient à faire payer aux habitants, aux Seine-Marins, une première fois cette autoroute, une deuxième fois avec le prix du péage dont ils auront à s'acquitter, avec un tarif souvent inflationniste et que certains ne pourront pas s'offrir, et même trois fois si le concessionnaire ne trouve pas sa rentabilité, car il se retournera vers l'État, vers le contribuable sénomarin notamment. De même, un péage de trop, c'est déjà du déjà vu. C'est déjà vu, pardon. Nous en voulons pour preuve, notamment sur la 13, un péage de trop qui fait qu'à l'échangeur de Cricq-Bœuf-sur-Seine, en limite de la Seine-Maritime, c'est toute la circulation entre la Seine-Maritime, le pays elbeuvien et l'Eure qui est embolisée quotidiennement sur la route départementale RD321. Au lieu de mettre 18 millions et même 40 millions, alors que l'Eure ne met pas un centime encore une fois, dans un contournement qui va défigurer des communes voisines, comme Alizé ou Léry, dans l'Eure, mais aussi reporter des flux routiers sur la Sud 3, sur Saint-Étienne-du-Rouvray, le boulevard industriel, le pont Bathilde. Pourquoi ne pas mettre cette énergie et cet argent, 40 millions d'euros, pour améliorer l'existant? Je pense à la sortie donc, de la 13, l'échangeur à Cricq-Bœuf-sur-Seine, sur la RD 321, située dans l'Eure, qui se poursuit en Seine-Maritime, qui est stratégique pour le sud du département, de notre département, pour en finir avec ces embouteillages incessants, paralysant les déplacements des habitants, mais aussi les flux économiques pour les entreprises entre la Seine-Maritime et l'Eure, l'Île-de-France, le nord et le sud du pays et de l'Europe. Un partenariat, notamment entre département de Seine-Maritime, de l'Eure, un département qui vient de mettre 1 million d'euros pour des travaux d'aménagement entre les deux accès de cette autoroute à cet endroit, ne suffiront pas, avec la région Normandie, avec la CAS, la métropole Grand Normandie, mais aussi avec la SAPN, où siège le département de Seine-Maritime. À cet endroit, sur ce point noir, des investissements sont nécessaires. Ils seraient immédiats, moins coûteux et surtout, ils sont attendus. Aussi, nous vous demandons avec mon collègue Frédéric Marche d'investir à cet endroit, en partenariat, à la sortie de l'autoroute A13, une partie de ces 18 millions supplémentaires pour répondre aux attentes des habitants en proximité, notamment de notre canton de Côte-Bec-les-Elbeuf, mais au-delà du pays elbeuvien, de l'Eure, pour les Seine-Marins, les Eurois, donc, en partenariat avec les autres collectivités, pour les acteurs économiques, je l'ai dit. C'est plutôt l'intérêt général auquel nous croyons, auquel je crois, et pas forcément, et pas du tout même, le projet qu'on nous soumet aujourd'hui. C'est pourquoi je voterai contre ce projet.
Merci, Madame Mézrard. Monsieur Delesque. Mes chers collègues, c'est bon mon temps ? Oui, c'est bon, on vous entend et on vous voit. Merci beaucoup. Je souhaiterais juste prendre quelques instants avant de parler sur cette délibération pour ce qui devrait être ma dernière intervention au sein de cette Assemblée, réunie malheureusement en visioconférence du fait de la situation sanitaire. Ça aurait été un réel plaisir et un réel honneur d'avoir été élu sur ce canton pendant 10 ans. D'avoir pu travailler pour ses habitants et pour son développement. Même si j'aurais souhaité pouvoir continuer ce travail, il faut savoir laisser sa place dans le cadre d'un intérêt collectif. Je tiens à vous remercier, Monsieur le Président, ainsi que Pascal Martin, Nicolas Rouly et Didier Marie, les 4 présidents successifs, pour la qualité des débats que vous avez organisés, même si parfois, ils ont pu être vifs ou tendus, et on le voit aujourd'hui. Mais si nous sommes présents toutes et tous aujourd'hui, si nous prenons du temps sur notre vie familiale, professionnelle, c'est, et je le pense sincèrement, parce que nous avons toutes et tous la passion de la chose publique, l'envie d'aider nos concitoyens et de développer notre département. Nous n'apportons pas toujours les mêmes réponses à certaines questions problématiques, mais nous avons toutes et tous à cœur l'intérêt général qui n'est pas l'un seul des intérêts particuliers. Je voudrais remercier l'ensemble des collègues, notamment les membres de mon groupe politique, avec qui de réelles amitiés ont pu se former, et tout particulièrement avec Christine de Saint-Pré, avec qui je suis élu depuis 6 ans et avec qui j'ai toujours plaisir à travailler. Je souhaite également remercier l'équipe des assistants du groupe qui fait un travail remarquable. Enfin, je tiens à remercier l'ensemble des agents départementaux qui font un travail indispensable et d'autant plus dans la situation que nous connaissons depuis plus d'un an pour ce qui est de la collectivité des solidarités. J'en viens maintenant à la délibération même. Contrairement à ce que j'ai pu entendre à plusieurs reprises dans notre hémicycle et encore aujourd'hui, et qui peut être reproché à notre groupe politique, je trouve cela sain de pouvoir changer d'avis sur un sujet, d'autant plus quand ce sujet date des années 70. J'espère d'ailleurs que certaines et certains ont pu changer d'avis sur d'autres sujets qui ont pu être débattus dans notre hémicycle, que ce soit sur l'aménagement des quais rive bas, rive gauche à Rouen, où on a vu certains débats, que ce soit sur la parité pour les élections départementales, où il y avait eu aussi des changements de débat, ou encore sur un débat plus important qui est le mariage pour tous. Monsieur le Président, j'ai cru en ce projet, j'y ai vraiment cru, mais les temps ont changé. Nadir Mézard parlait du péage, je prendrai juste, pour ne pas revenir sur l'ensemble du débat, je prendrai juste un argument avec un mot qui est technologie. Aujourd'hui, rares sont les personnes qui conduisent sur des trajets longs avec seulement les panneaux indicatifs ou des cartes routières. Depuis plusieurs années, nous utilisons de plus en plus GPS et applications telles Waze, Via Michelin, Mappy, des choses comme ça. C'est lors de la dernière version, notamment du tracé qui est proposé pour le contournement de Rouen, ces applications n'étaient d'ailleurs qu'à leur début et peu développées. Or, si je prends ces applications aujourd'hui, et pour relier un peu au nord d'Isnoville, quand on est sur l'autoroute, à la partie à côté du château de Robert le Diable, et donc sur l'axe Calais-Bayonne, qui est un des objectifs aussi de ce contournement, les applications donnent 36 km pour 33 minutes. Si je fais le même exercice avec le projet du contournement Est, les 36 km pour relier la même partie nord d'Isnoville à l'heure, plus relier ce point sud, ce point de l'heure au château Robert-Diat, on est à plus de 60 km. Pour mettre à peu près le même temps qu'aujourd'hui, il faudrait que l'ensemble du tronçon soit autorisé à 130 km/h, ce qui n'est pas prévu, puisqu'il est prévu qu'il soit à 90 km/h ou 110 km/h. C'est-à-dire que cet itinéraire à plus d'un milliard d'euros ne servirait que d'itinéraire bis dans le cas de congestion dans Rouen. C'était à côté des autres arguments
qui ont pu déjà être échangés dans notre hémicycle pour ou contre ce projet. C'était un argument que je voulais quand même apporter. Aujourd'hui, vous nous demandez d'augmenter la part du département de 18 millions d'euros pour la réalisation de cet équipement. 18 millions d'euros, cela représente 5 fois la participation du département au projet de rénovation urbaine des Hauts-de-Rouen. Ce montant permettrait de cofinancer de nouvelles opérations de renouvellement urbain dans les quartiers de Rouen, de Cléon, d'Elbeuf, de Petit-Quevilly, de l'agglomération Havraise et de beaucoup de communes de Seine-Maritime. L'objectif sûrement du nouveau programme de rénovation urbaine est de permettre et de poursuivre la mutation de ce quartier qui est fort dominante de logement social pour en faire un quartier mixte proposant des produits d'habitat diversifiés et attractifs. C'est dans cette perspective que la ville de Rouen a inscrit la diversification résidentielle au cœur de son projet de renouvellement urbain. Et je rappelle qu'il s'agit d'un des quartiers les plus en difficulté de notre département. 18 millions d'euros, ça aurait pu être, comme l'ont dit certains collègues, ça aurait pu permettre aussi d'investir dans le transport ferroviaire, que ce soit sur le fret ou pour le voyage, le transport de voyageurs. Et ça aurait pu peut-être, avec l'aide de la région Normandie, puisque la région Normandie doit approuver ou a approuvé, je ne sais pas, la même augmentation de ses financements sur cet équipement, ça aurait peut-être permis de remettre à la table des négociations la région Île-de-France, qui a tout bonnement dit qu'elle ne souhaitait plus travailler sur le doublement des voies dans le Mantois pour accélérer le transport, qui est, puisque beaucoup de Seine-et-Marins vont à Paris par le train. Je donnerai juste ces quelques chiffres aussi. Un Paris-Rouen, aujourd'hui, en moyenne, c'est 1h44 pour 135 km. Un Paris-Levave, en moyenne, c'est 2h32. Dans le même temps, un Paris-Rennes, 350 km, c'est 1h54. Un Paris-Nantes, pour 380 km, 2h33. Cela n'est plus soutenable. Alors, c'est pour toutes ces raisons que je voterai contre cette délibération. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Delesque. Madame Vieublé a demandé la parole. Voilà, Madame Vieublé, vous allumez votre micro, s'il vous plaît. C'est moi, Monsieur le Président. Monsieur le Président, chers collègues, tout d'abord dire que Madame de Pitre et moi sommes très étonnés que ce rapport amène à un tel débat, alors qu'en janvier, l'occasion nous était donnée de nous exprimer sur le projet du contournement Est, ce que notre groupe a fait. Nous déplorons que certains qui s'expriment aujourd'hui soient alors restés bien silencieux. La perspective des élections, peut-être. Quoi qu'il en soit, en ce qui me concerne, mon éloignement géographique de la métropole de Rouen ne me permet pas d'avoir un avis tranché, et je le dis humblement. Ce que je sais aussi, c'est que j'ai soutenu la construction de la rocade nord du Havre, évoquée tout à l'heure par M. Rousselin, et ce qui a apporté un vrai plus et une meilleure qualité de circulation et de vie des habitants du Havre et de l'agglomération du Havre. C'est pour ces raisons que, en ce qui me concerne sur ce rapport, je m'abstiendrai. Merci, Madame Vieublé. Monsieur Lamiret. Vous avez la parole, Monsieur l'Amiral. Monsieur l'Amiral, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Oui, quelques mots sur cette délibération, puisque... C'est une surprise pour personne. Tout le monde connaît mon positionnement sur ce contournement. J'ai eu l'occasion depuis de nombreuses années, d'ailleurs comme beaucoup d'élus qui sont ici présents, de m'exprimer et à chaque fois de soutenir ce contournement Est. Et j'ai encore eu l'occasion de le faire à travers mon vote
lors de la délibération du Conseil métropolitain, où d'ailleurs 85% des maires du canton que nous représentons avec Brigitte Mazanares et qui siègent à ce Conseil métropolitain ont souhaité que la métropole continue et participe à hauteur de 66 millions d'euros sur le financement de cette infrastructure. À travers la position du groupe à laquelle j'appartiens dans cet hémicycle, nous n'avons pas souhaité prendre part au vote de cette instrumentalisation politique qui a été portée en nous demandant de délibérer une deuxième fois à l'identique sur une délibération de 2018. Personne n'était dupe de cette démarche et il était inconcevable de participer à ce jeu de rôle. Et d'ailleurs, j'ai eu l'occasion de le dire, je ne souhaitais pas participer à ce vote car ma position n'avait pas changé depuis 2018 où j'avais voté cette délibération qui était pratiquement à l'identique, ce qui tournait, il faut l'avouer, un petit peu au ridicule, mais on connaît la démarche qui se cachait grossièrement derrière cette présentation de délibération. Oui, financé à hauteur de 22 millions d'euros pour notre département, ce contournement, pour moi, est cohérent. Est cohérent tout simplement parce qu'il s'agissait, et c'était l'objet des délibérations successives, de financer le raccordement à Quincampoix de ce contournement. Oui, cohérence, car le village de Préau ne fait pas partie de la métropole et il est tout à fait dans la compétence, dans le corps de métier du département, eh bien, de porter ce financement. Par contre, là où je ne peux être d'accord avec ce qui nous est présenté aujourd'hui, c'est qu'on nous demande, alors que le vice-président a été très clair sur les lois qui ont été votées par nos parlementaires sur le transfert de cette compétence voirie. Le département n'a plus aucune compétence sur les voiries au sein de la métropole. Il a été précisé par le vice-président, c'est plusieurs centaines de kilomètres qui ont été transférés en son temps. Donc je ne vois pas pourquoi le département financerait une infrastructure routière d'un territoire dont il n'en a plus la compétence. D'autant que le département de l'Eure et son président de l'époque ont fait le choix délibéré et assumé, pour le coup, de ne pas apporter la moindre contribution à cette autoroute. Alors certains disent que ce n'est pas un contournement, c'est une autoroute. Je ne suis pas à ce stade de jouer sur les mots. En tout cas, c'est une infrastructure routière. Le président du département de l'Eure a fait le choix, Sébastien Lecornu, de ne pas financer. Tout en disant, et je cite, j'ai fait quelques recherches, « Je reconnais la nécessité du contournement de la métropole rouennaise. » Je ferme les guillemets. Mais par contre, je ne finance pas. Mais ça choque personne. Et ça ne choque pas, en tout cas, l'exécutif de notre assemblée. Et là, pour le coup, ça m'interpelle. Donc, 22 millions d'euros, oui, pour financer des infrastructures qui sont hors du territoire métropolitain. Rajouter 18 millions d'euros, mes collègues ont fait l'énumération de tout ce que chacun pourrait faire en partie dans ces cantons avec 18 millions d'euros. Pourquoi cette rhétorique, Monsieur le Président? Tout simplement, ça fait face au positionnement qu'on nous donne depuis plusieurs années. Il faut faire des économies. Oh mon Dieu, ce département est endetté. On ne peut pas faire. Comprenez, c'est tellement difficile. Et en quelques heures, Monsieur le Président, en quelques heures, votre dextérité sur les réseaux sociaux ont fait que, à peine le Conseil métropolitain était terminé, que vous communiquiez sur une rallonge du département. Donc évidemment, nous ne sommes pas dupes. Tout ça a été piloté et anticipé. D'ailleurs, à se poser quelques questions sur la légitimité, en tout cas la reconnaissance que vous donnez à notre Assemblée sur le résultat de ce vote aujourd'hui. Il aurait été
voilà, de, urbain, comme on dit, de, d'attendre au moins la position de notre Assemblée avant de communiquer sur la moindre rallonge que celle-ci pourrait apporter à notre infrastructure. Alors oui, je suis pour le contournement Est, et d'ailleurs, le débat est constructif, et je ne suis pas là à dire que chacun a tort, chacun a raison, chacun a ses opinions, je les respecte, et dans mon groupe, on respecte aussi mon opinion, et ça, c'est quelque chose voilà, que je pense que dans votre majorité, qui n'existe pas forcément. Je l'ai dit, j'entends les arguments sur la pollution, sur la minéralisation des sols, mais je le répète, l'objectif du gouvernement est qu'en 2040, nous ayons la plupart des véhicules qui ne fonctionnent plus à l'énergie fossile. L'Angleterre a même l'objectif 2030, très ambition. Je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas avoir la même, d'ailleurs. Donc, la pollution atmosphérique que générerait ce contournement Est, quiz au-delà de 2040, quand nos véhicules ne sont plus à l'énergie fossile. Et la bonne nouvelle qui a été portée, et je regrette que l'article de ce matin n'en fasse pas état par le président de la métropole et son exécutif et les élus qui l'entourent sur la reconversion du site Vallourec en un site qui potentiellement pourrait développer hydrogène, nous prouve que cet avenir est proche des véhicules qui n'aient plus besoin d'énergie fossile et donc qui ne polluent plus notre atmosphère. Ensuite, sur la minéralisation des sols, évidemment, on est tous sensibles à cela et pas de leçon à donner à quiconque. Nous sommes pour la plupart des élus locaux, communaux, et nous avons une attention particulière à cela. Pas de leçon à donner à quiconque. Ce contournement S, c'est concrètement, en termes de voirie, c'est je crois entre 150 et 160 hectares de minéralisation concrète de sol. Je ne parle pas de l'emprise, parce que dans l'emprise, il y a les bassins de rétention ou autres. On pourrait très bien les compenser à l'échelle de la métropole, voire du département. Moi, j'ai fait cette proposition sur les 250 hectares de friches industrielles qui sont difficilement requalifiables. Et croyez-moi, le maire que je suis au cœur d'une vallée du Cailly qui possède énormément de friches industrielles, reconvertir une friche industrielle, ce n'est pas simple. On pourrait très bien en faire des forêts urbaines parce qu'il y a un enjeu climatique et les îlots de fraîcheur vont être nécessaires dans les années à venir et très vite. Et puis, sur les chiffres qui sont avancés, je l'ai déjà dit, les chiffres du CEREMA sont des chiffres, et d'ailleurs j'en ai discuté, puisque j'ai voulu entendre tout le monde, donc toutes les associations pour, contre ce contournement. On est tous d'accord et on se retrouve au moins sur ce sujet-là. Le modèle de calcul du CEREMA interroge tout à chacun. Et puis, sur l'exemple de la 150, hein, je regardais le dernier bilan de la 150 qui nous est donné sur 2015-2019, l'augmentation de fréquentation est de plus 58%, avec, je crois, plus de 740 poids lourds qui aujourd'hui fréquentent cet axe, alors que, je le répète, ce n'est qu'une parallèle de la 13, donc en termes d'attractivité, effectivement, on pouvait s'interroger, mais c'est d'ailleurs le CEREMA, celui qui nous donne les chiffres qui font que ce contournement ne servirait pas à grand-chose, et puis on va même jusqu'à me dire que, si on faisait ce contournement, il y aurait encore plus de voitures dans Marome et à l'ouest. Mais c'est ce même organisme qui s'est d'ailleurs, et on le reconnaît tous, bien trompé sur le barreau Barentin-Yvetot. Et d'ailleurs, hein, sur ce barreau Barentin-Yvetot, avec un péage à 3,20 €, quand celui qui est imaginé sur le contournement Est est imaginé à 4,20 €. Donc j'essaie d'avoir un équilibre entre la cohérence et la constance dans mes choix. Alors certains trouveront que c'est un défaut, d'autres une qualité. En tout cas, je ne trouve pas que ça soit antinomique. Et j'essaie dans toutes mes décisions d'avoir un équilibre entre essayer d'avoir un peu de cohérence et un peu de constance. Je ne critique pas ceux qui s'y opposent, mais je pense que ce débat, pour le coup, est un débat démocratique et c'est comme ça qu'il faut le prendre, Monsieur le Président. Donc, je voterai contre cette rallonge de 18 millions d'euros. Parce que le département de l'Eure n'est pas sollicité et c'est inadmissible qu'il ne participe pas à ce contournement parce que ça traverse pleinement son département, parce que je souhaitais, et je l'ai exprimé dans mon vote, que la métropole participe à ce financement et que le département ne doit pas se substituer sous des prétextes politiques à 70 jours d'une élection
Nous ne sommes pas dupes de cette démarche. Vous le savez, Monsieur le Président, j'aurai l'occasion de le dire dans les prochaines délibérations qui arriveront aujourd'hui ou demain matin. Comment peut-on trouver 18 millions d'euros quand on vous sollicite sur les difficultés que rencontre actuellement en charge de personnel, en budget de fonctionnement, l'ensemble de nos établissements pour personnes âgées ou pour personnes en situation de handicap? C'est un vrai sujet et j'aurai l'occasion de nouveau de l'exprimer. Voilà, Monsieur le Président. Merci, Monsieur Lamiré. Monsieur de Masure. Monsieur de Masure, vous allumez votre micro et vous avez la parole. Monsieur le Président, on m'entend bien? Oui, on vous entend et on vous voit. Merci beaucoup. Simplement une intervention relativement brève, mais je souhaitais évidemment réaffirmer et saluer cet engagement du département aujourd'hui sur le projet de contournement est de Rouen. Effectivement, c'est un projet majeur qui est attendu par de nombreux concitoyens. C'est un projet qui est à plusieurs dimensions et qui a une dimension importante sur l'attractivité du territoire, ça a été rappelé, sur le développement économique. Nous avons été notamment ensemble, Monsieur le Président, administrateur au sein du Grand Port maritime de Rouen et nous connaissons l'importance de ce projet de contournement est de Rouen pour notre acteur portuaire et qui est aussi un relais d'emploi très conséquent sur notre métropole. Il est donc important de pouvoir accompagner l'ensemble de ces acteurs et puis dire aussi, parce qu'on en parle très peu, mais que le projet de contournement est de Rouen comporte un certain nombre de compensations environnementales qui sont quand même très importantes. Et il faut le souligner, des projets de cette nature ne se font plus comme il y a 50 ans, ils se font aujourd'hui en pleine compensation environnementale. Il faut rappeler qu'il y a du reboisement qui est prévu, que le remembrement agricole est déjà initié. Et donc ce sont des projets qui aujourd'hui, évidemment, regardent l'impact environnemental et font en sorte de le compenser. Donc, c'est à souligner également. Et en plus, on y gagnera tous en termes de fluidification pardon, des flux de circulation, de déconcentration de la pollution. Et on connaît aussi que la circulation au sein de notre métropole est très, très difficile à certains créneaux horaires et que les bouchons entraînent une mauvaise qualité de l'air. Et donc, ce projet aura du sens sur l'ensemble de ces dimensions. Et je rappelle aussi, au-delà de la nécessité de ce projet, qu'on peut effectivement changer d'avis. Il peut y avoir des réflexions qui font qu'à un moment donné, on change d'avis. Mais j'ai du mal à accepter les leçons qu'on nous donne de la part de nos collègues socialistes depuis quelques minutes. Et je mets à part les interventions de M. Lamiré et de l'ESC, qui étaient tout à fait constructives. Mais j'ai du mal à accepter, par exemple, que Mme Goujon nous reproche de bétonner avec ce projet, alors qu'elle vient d'organiser l'abattage d'une centaine d'arbres au sein de sa propre commune pour justement bétonner en agrandissant les trottoirs et en faisant des pistes cyclables. Et je voudrais dire aussi à M. Bouillon, qui est lui-même président d'une intercommunalité, que la métropole a certes eu une majorité d'élus qui est prononcée en reniant son engagement deux ans auparavant de financer ce contournement est de Rouen, mais qu'une métropole n'est pas une collectivité, mais un EPCI, et qu'un EPCI ne s'administre pas de la même manière qu'une collectivité, et qu'il faut rappeler quand même que la majorité des maires qui ont voté sur ce projet de contournement est de Rouen à la métropole se sont prononcés en faveur de la réalisation de ce contournement, et que donc un EPCI, à notre sens, c'est peut-être une différence que l'on a aussi, s'administre différemment qu'une collectivité, il n'y a pas normalement de jeu de majorité et d'opposition, et qu'un EPCI se doit d'écouter les maires également en présence. Et puis, M. Rouly, on a bien vu aussi l'organisation de cette manœuvre un peu autour des 18 millions d'euros, ce que chacun pourrait faire dans son canton avec ces 18 millions d'euros. Effectivement, on pourrait faire plein de projets dans nos cantons, sauf qu'il faut quand même rappeler que lorsque vous étiez président de notre département, vous avez organisé un endettement quand même assez faramineux et que je crois qu'on a payé bien plus que 18 millions d'euros d'intérêts bancaires
en raison de cet endettement, et qu'aujourd'hui, si cette majorité départementale peut proposer de venir en supplément de 18 millions d'euros sur le projet de contournement Est de Rouen, c'est aussi parce qu'il faut saluer le travail de mes collègues de la majorité qui ont fait un travail remarquable pour désendetter ce département. Et donc, je voulais le saluer et dire ma fierté d'appartenir à cette majorité qui prend toute cette responsabilité concernant ce projet qui est attendu depuis très, très longtemps sur notre territoire. Et la fierté aussi d'avoir été conseiller régional il y a encore quelques mois derrière Hervé Morin et de voir que département de Seine-Maritime et région Normandie ont pris toutes leurs responsabilités pour pallier aux carences de la métropole et pour venir en soutien du projet de contournement Est de Rouen. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Monsieur de Mazure. Madame Dutarte, vous avez demandé la parole. Monsieur le Président, je ne reviendrai pas en fait sur nos arguments contre le contournement Est, puisque nous avons déjà eu à Rouen l'occasion de les exposer et d'en débattre à de nombreuses reprises, et par ailleurs les citoyens rouennais se sont exprimés. Par contre, et à l'instar de mes collègues, Monsieur le Président, j'avoue que cette proposition de rallonge budgétaire de 18 millions d'euros correspondant, soit dit en passant, à 790 mètres d'autoroute à péage, a le don, évidemment, de m'interpeller. Car enfin, il faut le redire, 18 millions d'euros pour 790 mètres d'autoroute. Sachant, il faut le rappeler également, que votre majorité a déjà voté 22 millions d'euros pour 1 km. Autrement dit, nous allons aboutir à un budget de 40 millions pour 2 km à peine, après qu'on nous ait expliqué pendant 5 ans qu'il fallait faire des économies. Alors, pour moi, l'urgence est ailleurs pour la collectivité des solidarités. D'ailleurs, les habitants du 3e canton de Rouen ne nous parlent pas du contournement Est. Non, ils demandent un nouveau gymnase, un nouveau centre social, des vestiaires féminins pour le club de foot, un city-stade pour les jeunes, des jeux d'enfants adaptés pour les enfants en situation de handicap, l'aménagement des espaces verts et des berges de l'île Lacroix. Et puis, si on veut sortir de l'investissement, après 5 années de votre mandature qui a vu diminuer, voire supprimer de nombreuses aides, et dans le contexte de crise sanitaire et sociale que nous vivons, plus que jamais, nos concitoyens ont besoin d'aide pour assurer le quotidien, de soutien psychologique. Les femmes victimes de violences ont besoin d'être protégées. Les collégiens ont besoin d'outils numériques et les jeunes d'être soutenus et accompagnés. Pour moi, les besoins sont là aujourd'hui et ils sont prégnants. Pour moi, c'est là que se situe le rôle du département, la collectivité des solidarités. Je voterai évidemment contre cette délibération. Merci, Madame Dutarte. Monsieur Métaux, vous avez demandé la parole. Monsieur le Président, chers collègues, moi je voudrais réintervenir parce que je voudrais dire un certain nombre de choses. Tout d'abord, dire à une partie des élus du groupe socialiste que j'ai l'impression que chacun défend son canton, ses projets sur son territoire. On est ici sur une problématique, je dirais, qui jouxte le développement économique du département dans sa totalité. Et je voulais simplement leur rappeler un certain nombre d'éléments qui ont été votés, à contrario de ce que dit M. Coutet et M. Rouly, sur le PLU, le plan local d'urbanisme intercommunal de la métropole, a bien été voté le 13 février 2020. Il prévoyait dans le cadre de PLU, dans le cadre du plan d'aménagement et de développement durable, il désignait le contournement Est de Rouen, je lis la lettre du préfet, hein, de décembre, je ne pense pas qu'il nous raconte des histoires, que c'était un des deux projets essentiels à l'agglomération pour améliorer ses infrastructures terrestres avec la ligne nouvelle Paris-Normandie. Et donc, au travers de ça, je pense qu'il y a un certain nombre d'éléments au travers de ça. Je rappellerai aussi qu'en 2018, dans cette Assemblée, le groupe socialiste a voté pour le contournement Est. Enfin, j'aimerais
rappeler aussi à un certain nombre de personnes ici que quand je me promène dans les rues de mon canton, du département, aujourd'hui, même si la politique sociale du département est reconnue et que parfois on a l'impression qu'il en faudrait un peu plus dans le domaine de l'aide sociale, mais on interviendra d'ailleurs demain dans le cadre du débat de politique départementale sur ce sujet, je tiens à dire à M. Rouli que c'est aussi une réflexion que j'entends. C'est-à-dire que ces 18 millions, c'est une participation qui sera donnée en moins à l'ensemble des 1 250 000 habitants de notre territoire. Quant à M. Lamiret, j'avais salué son courage politique lors du vote de la métropole et je regrette qu'il ne le confirme pas aujourd'hui, si ce n'est, et je peux le comprendre, par rapport à je dirais, un engagement de groupe. Et là-dessus, on peut le comprendre. Enfin bref, aujourd'hui, et je vais m'arrêter là, je pense que bien sûr que des projets en matière d'action sociale, nous en avons tous les uns et les autres sur notre canton pour l'intérêt des plus jeunes. Et nous le verrons, comme vous nous l'avez proposé, Monsieur le Président, dans les délibérations suivantes, un certain nombre d'actions, même si je pense, même si nous pensons qu'ils auraient pu être développés auparavant. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Monsieur Métaux. Monsieur Coutet, vous avez demandé la parole. Monsieur le Président, c'est juste pour continuer cet échange avec Dominique Métaux. Lorsque j'ai évoqué le non-vote de la métropole, je parlais bien d'une délibération budgétaire. Dans aucun document budgétaire, la métropole n'avait pris un engagement à hauteur de 66 millions. De la même manière, effectivement, le PLUI, juste pour précision, dès l'instant qu'on vote le document d'urbanisme, il est soumis au travail de collaboration avec les services de l'État. Et donc, dès l'instant qu'un projet structurant porté par l'État relève de la compétence de l'urbanisme pour que le document soit voté, il faut que ce projet figure dans le PLUI. Mais inscrire telle ou telle évolution n'amène pas une traduction budgétaire. Donc la remarque que j'ai faite de tout à l'heure, c'était sur le non-vote par la métropole d'un engagement budgétaire. Et effectivement, Monsieur Métaux, on est d'accord, c'est ce que j'ai dit, les 18 millions d'euros, c'est 18 millions d'euros en moins pour les Seine-et-Marins. Donc je me réjouis, Dominique, que tu rejoignes, mais tu aurais pu aller jusqu'au bout, en sollicitant, comme je l'ai fait, le président, pour que ces 18 millions restent en direction directe des politiques publiques du département au bénéfice des Seine-et-Marins et que ces 18 millions, le département les sollicite directement auprès de l'État. Merci. Madame Caron, vous avez demandé la parole. Merci, Monsieur le Président. J'avais prévu d'intervenir et de ne pas être longue, en l'occurrence, car notre collègue Alain Bazile l'a dit, le débat, nous l'avons déjà eu en janvier dernier dans notre hémicycle et nous l'avons également eu par avant dans les années de cette mandature. Et justement, les arguments des uns et des autres, nous les connaissons déjà. Alors, je vais essayer d'être malgré tout concise et je me contenterai d'apporter quelques précisions. Quelques précisions parce que nous avons bien perçu la petite ritournelle du groupe socialiste qui nous a doucement fait sourire, ou devrais-je dire la ficelle politicienne, hein, pour reprendre les mots de Bastien Coriton, qui consiste à faire la liste des projets qui pourraient être financés sur notre département avec ces 18 millions d'euros. Alors, si je faisais la même chose, hein, tout simplement, si j'arguais moi aussi de ficelle politicienne, pardon, de manière caricaturale, comme nous venons d'y avoir le droit par nos collègues socialistes, je pourrais leur retourner la remarque, puisqu'en plus d'une dizaine d'années, nous aurions pu en faire une belle liste à la Prévert, nous aussi, de projets d'intérêt général à porter sur notre territoire si nous n'avions pas eu à rembourser les intérêts des emprunts dus à la dette de plus de 1,2 milliard d'euros que la gauche ne s'est pas privée de creuser tout en asphyxiant fiscalement nos concitoyens. Donc, on pourrait aussi jouer de cette ficelle politicienne et notamment faire remarquer par rapport à toutes ces listes que vous évoquez que si pendant vos précédentes mandatures où la responsabilité était à la gauche au département de la Seine-Maritime, vous aviez agi véritablement au service des citoyens, si vous aviez répondu aux besoins des habitants,
quand vous étiez de fait en responsabilité, vous n'auriez pas justement cette petite ritournelle aujourd'hui, cette petite ritournelle que l'on a bien comprise désormais. Mais j'aimerais quand même rassurer tout le monde, parce qu'il semblerait que nos collègues socialistes n'aient pas bien compris le sens de notre action. En l'occurrence, l'un n'empêche pas l'autre. Nous investissons dans notre département sur les compétences qui sont les nôtres, et mal vous en plaise puisque vous n'êtes pas en mesure de le reconnaître. Mais je vais donner tout simplement un exemple en répondant à notre collègue Mamadou Diallo qui s'inquiète de la construction du nouveau collège dans le futur quartier Flaubert de Rouen. Alors qu'il soit rassuré, lui aussi, puisque ce projet de collège est bien inscrit comme le 110e collège de notre territoire à ce jour dans le plan Ambition Collège que nous avons voté au sein de cette Assemblée. Encore peut-être faudrait-il bien lire les rapports pour ne pas l'oublier. Par contre, puisqu'on parle du quartier Flaubert, il serait nécessaire à la fois que les perspectives qui sont souhaitées par la métropole sur ce futur quartier soient connues et claires, mais surtout que les alternatives au contournement est qui sont prônées par l'Ouest ne viennent pas congestionner davantage cette partie de la ville et impacter la qualité des futurs habitants qui feront le choix d'y résider. Alors moi, j'ai juste envie de vous dire, tout est question de cohérence, tout simplement. Et véritablement, je n'ai pas senti dans les différentes interventions auxquelles nous avons eu le droit ce matin, la cohérence de nos collègues du groupe socialiste. Je ne reviendrai pas personnellement sur les arguments qui sont les miens. Je les ai déjà exposés plusieurs fois en différentes instances. Je vais juste peut-être paraphraser les propos de Stéphane Barré, puisque sans aucune supercherie, puisque ça fait encore partie des mots qui font plaisir à être utilisés par les élus du groupe socialiste, nous maintenons notre engagement en responsabilité et avec constance. Cher Monsieur Barré, sans aucune manœuvre politicienne, sans aucun déni de démocratie, puisque nous avons été élus en 2015 sur 7 engagements de campagne par les citoyens de la Seine-Maritime qui ont alors fait le choix de nous faire confiance, bien que cela ne vous en déplaise toujours aujourd'hui. Alors oui, je reprends les propos qui sont les vôtres. Nous maintenons notre engagement en responsabilité avec constance, nous aussi, Monsieur Barré. Et enfin, Monsieur le Président, une dernière chose, en toute cordialité, véritablement, parce que je ne peux pas laisser passer l'intervention de Monsieur Rouly, qui malheureusement, comme cela le caractérise depuis l'aigreur de la défaite de 2015, n'a de cesse de vouloir donner des leçons aux autres, et en l'occurrence, puisqu'il m'a pris à partie à l'instant, qu'il soit rassuré, je n'ai pas besoin de ces interpellations pour avoir à intervenir ou à défendre mes convictions. Oui, Monsieur Rouly, je considère que la démocratie, ce n'est pas uniquement débattre entre élus, mais pouvoir répondre aussi aux citoyens qui nous suivent en direct sur le Facebook Live. Et je les en remercie d'ailleurs de l'intérêt qu'ils portent aux échanges de notre collectivité. Et oui, Monsieur Rouly, en tant que femme, je sais faire 2 choses à la fois. Alors, si jamais vous avez besoin d'apprendre comment faire l'un ou l'autre, alors je ne me permettrai pas de vous donner de leçons. Je n'oserai pas, mais peut-être sous forme de conseil. Alors dans ce cas-là, je suis à votre disposition avec grand plaisir, Monsieur Rouly. Et en attendant, chers collègues, fidèles à mes engagements, je voterai cette délibération dans l'intérêt des Rouennais et de notre territoire. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Caron. Alors, je vais passer maintenant la parole à Monsieur Basile afin qu'il apporte les conclusions à ce rapport sur le contournement Est. Monsieur Basile, vous avez la parole. Oui, merci, Monsieur le Président. Bon, je ne répondrai pas à l'expression des uns et des autres, ce qui est une expression démocratique naturelle que je respecte en tant que républicain. Néanmoins, je réagirai à 2 interventions que je ne comprends pas, car elles ne sont pas le reflet de la réalité. Je ne voudrais pas laisser penser à M. Bouillon que la desserte de Ferrero ne se fera pas, puisque nous mobiliserions les 18 millions de plus au niveau du contournement Est. En réalité, nous avons travaillé depuis que j'ai en charge cette compétence sur ce contournement par la RD 143, un travail extrêmement important fait par nos services et qui sont aujourd'hui prêtes à mener toutes les études environnementales, toutes les procédures de concertation qui pourront nous amener finalement à la réalisation de cette desserte Ferrero. La deuxième intervention qui m'a un peu, comment dirais-je, que je n'ai pas compris, c'est celle de M. Coriton,
qui voudrait faire croire également que nous n'assumons pas nos responsabilités, notamment au niveau du canton de Notre-Dame de Gravenchon. Je voudrais effectivement rappeler que Notre-Dame de Gravenchon, on y trouve bien entendu le passage d'eau Quillebeuf pour Jérôme, pour lequel effectivement, vous savez, l'engagement du département en la matière. Je voudrais aussi citer le pont de Bretonne, sur lequel nous étions notamment avec M. Coriton hier pour examiner des travaux de protection contre les suicides. Je voudrais également citer tous les travaux que nous portons sur la 490, citer également le projet d'entrée de Rive-en-Seine sur la 982 et tous les travaux que nous avons engagés dans le cadre de la Seine à vélo sur ce canton. Donc, je trouve que ces propos sont extrêmement, ne sont pas le reflet de la vérité, et ça me choque énormément. Et puis, simplement répondre à M. Alban Bruno concernant donc son interpellation en disant que la gratuité des ponts et le problème des trains ne sont pas de la compétence du département. Merci beaucoup, M. Basile. Avant que nous ne passions au vote et que chacun puisse s'exprimer, je voudrais juste vous dire un mot, je ne voudrais pas rallonger ces échanges, ce débat. Pour autant, je ne peux pas laisser passer un certain nombre d'expressions des uns et des autres à l'occasion de ce Xème débat sur le contournement Est. Alors, je comprends effectivement que nos collègues socialistes soient embarrassés. On le serait à moins. Sur ces bancs, il y a encore 3 ans, tous les intervenants de ce matin ont voté pour la réalisation du contournement Est. Tous, sans exception. Je salue la constance de nos collègues communistes qui ont toujours exprimé leur point de vue négatif sur le contournement Est. Mais tous les élus socialistes se sont exprimés. Il y a 3 ans, il y a 5 ans, favorablement au contournement Est. Alors, je ne vais pas refaire le débat que nous avons pu avoir le 14 janvier dernier, bien que. Que s'est-il passé entre-temps? Pourquoi ce changement d'avis? Pourquoi ce changement de position? Mais nous le savons, je ne vais pas vous faire l'injure de le rappeler, bien que l'actualité récente dans la presse dimanche nous a donné confirmation de ce que nous pensions. Oui, oui, un accord électoral est passé par là. Un accord électoral. Nous sommes dans une période préélectorale, évidemment. Mais ça pose quand même une vraie question. Sommes-nous pas là aujourd'hui pour défendre l'intérêt général? Sommes-nous pas là aujourd'hui pour porter les projets de notre territoire? Ça nécessite de la constance, ça nécessite le sens des responsabilités. Et lorsque j'écoute les interventions des uns et des autres, je trouve qu'il y a de la mauvaise foi. Et je trouve que c'est agressif. Et tout particulièrement à l'égard de notre collègue vice-président Alain Basile, qui porte nos sujets d'infrastructure avec beaucoup d'enthousiasme et beaucoup de sérieux. Aussi beaucoup d'agressivité à l'égard de notre collègue Dominique Métaux, qui exprime lui aussi son point de vue. Et puis aussi de l'agressivité à l'égard de notre collègue Marine Caron, qui vient de s'exprimer à l'instant. Je pense que tout ça ne correspond pas à l'idée qu'on se fait de notre engagement public. Alors pourquoi nous sommes ici ce matin pour délibérer de cette rallonge de 18 millions d'euros? Alors oui, nous le sommes parce que la métropole est revenue sur ses positions. J'ai été conseiller métropolitain, Monsieur Coutet, à l'époque où vous ne l'étiez pas, et j'ai voté. J'ai voté le 12 décembre 2016 une délibération de soutien au contournement Est. J'ai le souvenir, il y a maintenant de cela 3 ans, d'un courrier. Un courrier, ce n'est pas rien, c'est un engagement. Des 3 présidents de la région, du département et de la métropole, M. Sanchez,
maire de Petit-Quevilly à l'époque, et président de la métropole, un courrier adressé au gouvernement pour engager la métropole sur 66 millions d'euros. Voilà, ce n'est pas moi qui le dis, c'est le courrier qui en atteste. Alors oui, effectivement, ces accords électoraux peuvent évidemment changer la donne, mais encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, c'est l'intérêt général qui doit conduire notre action les uns les autres, où que nous soyons dans nos cantons. Nous sommes ici en assemblée départementale pour défendre les intérêts du département de la Seine-Maritime. Ce sujet de contournement Est est un sujet d'intérêt départemental, d'intérêt régional, d'intérêt national. 880 millions d'euros pour réaliser ce contournement Est que nos concitoyens attendent. Alors moi, je ne reviendrai pas sur les 40 ans ou 35 ans. Moi, ce qui m'intéresse, vous l'imaginez bien, en tant que président de cette Assemblée, c'est l'avenir. C'est l'avenir de nos concitoyens, c'est l'avenir des entreprises de notre territoire. Alors, de quoi s'agit-il ? Allez interroger celles et ceux qui, tous les matins, tous les soirs, sont bloqués dans des encombrements incessants. Allez les interroger. Alors certes, on ne va pas les trouver dans le cœur de la ville. On va les trouver en périphérie. On va les trouver dans le périurbain. On va les trouver dans l'ensemble de notre département de la Seine-Maritime. Celles et ceux qui n'ont pas forcément eu le choix, la possibilité de pouvoir s'installer en cœur de ville, parfois d'ailleurs pour des raisons financières, qui se sont installés à 20, à 30, à 40 km de Rouen et qui ne peuvent pas faire autrement que d'utiliser un véhicule automobile tous les jours, plusieurs fois par jour, pour venir travailler. C'est à celles et ceux qui sont concernés auxquels je pense. Ce ne sont pas les nantis qui sont concernés, ce sont celles et ceux qui n'ont pas d'autre choix que de prendre leur véhicule. Le contournement Est est une réponse à ces problèmes, à ces difficultés que rencontrent tous les jours nos concitoyens. Ce contournement Est, vous le savez, je ne vais pas refaire le débat du 14, il est indispensable aussi pour le développement économique de notre territoire. Et là, ça concerne totalement notre département, ça concerne notre collectivité départementale. Parce que lorsqu'on parle de développement économique, on parle d'emploi. Nous devons avoir des entreprises performantes, nous devons être attractifs pour attirer ici des entreprises. Notre port a besoin d'être desservi, le contournement Est est indispensable. Comment pouvons-nous, raisonnablement, imaginer que Rouen et son agglomération soient la dernière de France à ne pas disposer de contournement ? Il faut régler cela. Ça aurait dû être réglé depuis longtemps. C'est maintenant qu'il convient de le faire. Et c'est la raison pour laquelle, face à la défaillance de la métropole, du financement de la métropole, je ne porte pas de jugement de valeur, je respecte naturellement la décision de la métropole, mais face à cette situation, il convient d'agir, il convient de réagir, il convient de prendre des responsabilités. Nous sommes là pour ça, au nom de l'intérêt général, pour que cette infrastructure se réalise. Parce qu'en matière de développement économique, il est fondamental que notre territoire ne reste pas sur le bord de la route. C'est d'autant plus important en ce moment que nous allons sortir, et j'espère le plus vite possible, de cette crise sanitaire, et qu'il faudra que nous soyons contributeurs de la relance. Allons-nous laisser s'échapper 880 millions d'euros qui vont ruisseler sur notre territoire, qui vont apporter du travail à les entreprises, qui vont apporter de l'emploi. Notre action en matière de solidarité, ça n'est pas simplement que de verser des allocations aux uns et aux autres, c'est avant tout de leur donner de la dignité. Et l'emploi, c'est la dignité. En contribuant à donner de l'emploi aux entreprises, par les entreprises, aux concitoyens de notre territoire, nous sommes dans nos responsabilités,
nous sommes dans ces missions. C'est de cela dont il s'agit. Et c'est pour ça que, en février, juste après la décision de la métropole de ne pas y contribuer au financement, j'ai dit que je solliciterai, monsieur Lamiret, je n'ai pas dit que nous allions faire, j'ai dit que je solliciterai l'avis de l'Assemblée départementale pour apporter le complément aux côtés de la région Normandie, apporter le complément permettant, monsieur Lamiret, de réaliser ce contournement Est. Vous en avez rêvé, nous allons tenter de contribuer, de le faire avec la région, avec l'État. Voilà de quoi il s'agit. Donc ne voyez surtout pas là la moindre manœuvre. C'est l'intérêt général qui nous conduit. Je ne serai pas plus long parce que ce débat a été riche, dense. J'ai le sentiment que notre majorité a exprimé son point de vue avec clarté, avec le sens de la modération. Pas tout à fait constaté que le sens de la modération était partagé, mais peut-être que c'est la période préélectorale qui nous y conduit. En tous les cas, je vais maintenant soumettre ce rapport à vos suffrages, peut-être juste avant, parce que M. Rouly m'a interpellé et a demandé à ce que je réponde par rapport à l'intervention de M. Métaux. Donc, je vais le faire. Nous aurons, en son temps, avec M. le Président de la Métropole, que je rencontre régulièrement, l'occasion de se projeter et de travailler ensemble à la construction du contrat de territoire. J'ai reçu, il y a une quinzaine de jours, le Président de la Métropole et nous avons évoqué la co-construction de ce projet de contrat territorial. Et donc nous y travaillons et nous y travaillerons dans le sens de l'équité qui nous anime. Toutes les intercommunalités de ce département de la Seine-Maritime sont traitées équitablement. Il n'y a pas de raison que demain cela change. Je rappellerai simplement que en 2015, lorsque nous sommes revenus à la tête de ce département de la Seine-Maritime, nous avons tenu tous les engagements qui avaient été pris par nos prédécesseurs. Et j'en citerai un. Quelques jours auparavant, le contrat de plan État-région avait été signé et il prévoyait en particulier le financement de la tête sud du pont Flaubert par le département de la Seine-Maritime à hauteur de 20 millions d'euros. Nous avons tenu ces engagements. Nous avons une parole qui est celle de servir nos concitoyens, où qu'ils soient, quels qu'ils soient et quelle que soit leur base. Il n'y a pas de différence à avoir, à exprimer entre nos citoyens, nos concitoyens de la Seine-Maritime. Nous avons ce sens de l'équité. Voilà, monsieur Rouly, la réponse que je voulais vous faire. Je vous interroge maintenant sur cette délibération et je vais demander à ce qu'on ouvre les opérations de vote. Alors voilà, nous avons encore 6 collègues qui doivent s'exprimer.
Voilà, trois collègues. À demander Madame Cottreau à Monsieur Basile de bien vouloir s'exprimer. Bon, on a un souci technique de connexion. On va essayer de le régler. Alors voilà, on a un problème technique là d'ouverture de QuixBox. Monsieur Basile. Et voilà, donc ça y est, tout le monde s'est exprimé, donc je vais demander à ce que le scrutin soit clos. Voilà, donc vous avez les résultats, donc cette délibération est adoptée par 38 voix contre 31 et une abstention. Voilà, je vous remercie, chers collègues. Il est 12h48. Je vous propose que, ayant achevé l'examen des rapports de la cinquième commission, nous réalisions notre pause méridienne afin de nous retrouver, si vous le voulez bien, à 14h, voilà, pour que nous puissions reprendre nos travaux. J'ai bien 14h, donc connectez-vous un petit peu avant, si vous pouvez, afin que nous puissions redémarrer. J'attire votre attention sur le fait que nous avons 43 rapports en tout et que il serait bien que nous ayons pu terminer en fait notre session avant demain soir. Voilà. Merci de votre attention et de vos participations. Et puis je vous retrouve à 14h avec plaisir pour poursuivre notre ordre du jour. Merci et à tout à l'heure.